Ouais, je suis réveillé, il a fallu que je passe chez l'opticien, je dois porter des lunettes, j'ai une tête de schlag, maintenant je vais me faire victimer. Oh non, tu vas les victimer, ils vont te victimer. J'aime pas ça beaucoup, vraiment. Ouais, mais c'est pas grave aussi, ça me Venez donne un bon style, toi, pour les meufs, genre un peu plus sérieux, genre un mec à marier, que des gens en place, qu'à des sociétés, des trucs, alors que pas du tout, mais on verra bien. T'as une petite Parce que dégaine de moi, tu sais, je suis Macintosh, pas man, mauvais. vraiment. On dirait que tu es prêt à Oui, vendre c'est ça. des produits, oui. C'est ça, oui. Hello everyone, I think your computer has got a problem and I'll take a USB card, a bootable card to repair it. Yes? Yes, c'est mon copain. Oui, allez, on y va. Ma petite fille, là, ma Allez, c'est moi, petite c'est copine, parti. là, elle est comment, là? Merci, Balalaïka, merci pour les subs, merci C'est qui beaucoup. ta petite copine déjà? Je me souviens même plus. C'est-à-dire que la femme n'a pas de vierge. Je me rappelle un peu, oui. Comment s'appelait? Quoi, je suis une traînée? Je n'ai plus les souvenirs, mais c'est pas grave, mais c'est pas... J'espère On qu'en va en bas, mon trouver, Bangala on va va. se rappeler, oui. Oui, de toute façon, au pire, si on la trouve pas, il y a toujours d'autres filles dans l'école. C'est pas ce qui manque, hein. Et toi, là, tu as fait quoi là, ce matin? J'étais pas là. Bon, j'ai des problèmes plus grands qu'on voulait prendre la défense d'un petit que j'étais en train de racketter, tout ça. Après, ils m'ont un peu tenu dans l'école, mais bon, j'ai C'est vrai que pour là. le recteur et je leur ai mis tout ce que je. Ah, d'accord. Si, mais il Classic fallait quand même. bullshit. Il fallait quand même. Classic Oui. bullshit. T'as des lacs ou Il pas? faut montrer que les minots. Ouais, des petits. Des micro-frises. Ah, Ça, tu ouais. me montres le mien, Attends. ouais, non. Regarde, si, il y a marqué servant PLS. Ouais. Tiens. Trop de monde en fait. Attendez, on va régler ça. C'est bon, ils sont sur le coup. Attends, j'ai reçu une lettre. Merde, comment on fait déjà avec ça? Je vends la mandragore. Rendez-vous derrière les serres. On y va? Je vends de la mandragoc, quoi? Baudragoc? Mandragore. Rendez-vous derrière. C'est qui a envoyé ça à tout le monde? Vas-y, on y va, Super anonyme. stranger. Il a envoyé ça à tout le serve, même au prof. Vas-y, on y va, on va lui vider les poches. Ah, Viens, anti-PC portable, si Barbarigo, c'était là pour troller, on va enterrer la en plus, mandragore il est là, gratuitement. très, il a l'air d'être bien minable ton troll. Tu vas te faire ban instant. Enfin, tu vas te masquer, quoi. Tu pourras parler dans le vide, mais c'est comme tu veux. Hein. Juste Bon, reprends-toi du et coup, je il te y a laisse déjà encore trois une mecs chance. là. Si je me retrouve en ticket, celui qui est fautif prendra un warn. C'est ouf, pourquoi les 15-18 ils viennent se perdre ici alors que vous êtes nuls en troll? Ouais, j'ai des pots de vin, les mecs. Tu veux quoi, toi? J'ai des pots de vin. Genre, j'ai du Mais vin, d'où je veux du déjà tu vin, j'ai de t'adresses? l'alcool. Et mais on D'où commence est-ce que à tu quoi ça t'adresses là, à nous sans pitié? nous appeler par monsieur ou quoi? T'es un va-nu-pieds? Ouais, mon gueule. Moi, tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Écoute-moi tes conneries là, pourquoi tu changes d'accent là? On t'a cramé avec ton accent de Babtou, des blancs. Alors Je parle connais le tien pour normalement, prendre un briquet. connard que tu Et es. j'ai J'ai envie de chinois, te t'es con ou cramer la quoi, touffe. toi? Tu es chinois, J'ai t'es envie de quoi te toi? cramer la touffe. Mais non, mais au gars, ce que j'ai chez moi, quoi. Non mais parle J'ai normalement. chez toi, tu J'ai envie connais où je de suis. doigts de passer à Sherpa et lui dire. Attends, merde, j'attends qu'il passe. Bah, j'ai ces conneries, quand Bon, même. ton accent est claqué, reprends ta voix, voilà, Ouah, je cause. parle normalement avec ta voix de Ouais, blanc, non, attends, personne ne t'opère, c'est nul à parce que chier. ton accent de Renan, il est à Non, mais. chier, t'es pas au niveau. Allez, T'es dégage, éclaté comme Nevers, non. allons nous, on y va, nous. Retourne. Allez, on y va, mon petit goutin. Non, fais quelque chose, t'es nul à Je vais aller chier. vendre, je vais aller vendre. Oh, c'est lui en plus qui vend. J'ai même pas Non, envie non, d'y n'y aller. va pas, n'y va pas. Tiens, mes potes, ils sont là, Masquez les le modos, s'il vous gang. plaît, s'il est dans le chat. Attends, deux ans, je vais faire un tour Windows. Bon, c'est pas grave, je le fais. Allez, hop. Bref, duel. C'est ouf comment vous prenez en égo dès que je vous termine dans le chat. Faut essayer de rebondir en essayant de... J'ai comme des mal de tête, mais bon, ça devrait passer. Oui, je crois qu'il a pris pour son grade. Il va arrêter de parler avec son... Non, je sais pas comment définir ça. Je peux même pas appeler ça un accent, moi, Mais comme il n'y regarde, a rien, les gens quoi. ils J'ai vont là goûté. comme ça là. Oh non, faut leur dire d'arrêter ça. C'est qui le fantôme? On termine le fantôme. Mouchoir? Ah, c'est comme ça que ça Mouchoir? ressemble les exciteurs. C'est un exciteur. Ça se met en Il est là pour bas. exciter les gens. C'est un exciteur, oui. Il va exciter les Bengalas. Venez ici là. Prends Tu l'apparence peux d'une aller dans le femme. vestiaire des filles. Emmène-nous dans le vestiaire des filles. Chien de la Regarde-le, ce casse. pédophile, comment. T'as vu comment il s'éloigne comme un pédo? Hein? Attends, il y a les gens là-bas.
C'est Phil. Cassa. Ah, comment tu vas, Phil? Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer? Ah, allez, bah voilà, il y a Phil. Alors, mais alors, Phil, dans les buissons avec ce jeune homme. Non. Oh non, Phil. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait vendre de la drogue alors. T'es un polisson, Phil. T'es vraiment un polisson. Tu retournes pas, Phil, mais il y a un mec qui te prend en photo derrière, dans le buisson. C'est une enflure du comité des élèves. Ah, tu fais quoi, prendre les gens? Écoute-moi là. Hé, hey, toi, petite, viens là. Hé, hey, hey, viens ici là. Arrête-toi là. Arrête-toi, ton connerie. Ramène ton bout. Voilà, retour à l'envoyeur. Ah, reste ici. Reste ici, on t'a dit là. C'est on va la cuisiner, elle. C'est pour te faire clapoter la culotte. Ferme ta gueule. Oh alors lui on va le terminer. Lui il est où? Ah bah c'est lui, j'étais en ticket tout à l'heure. Vas-y. On dit, on dit. Lui, je vais le cuisiner, il est où? Oh lui on va le cuisiner. Oh lui on va le cuisiner. Lui, voilà. Voilà, lui il va prendre un ticket, tu sais, lui là. C'est pas lui? T'as son pseudo? Merde, Régarus, un truc comme ça. Là-bas peut-être, non? Oh putain. Il y a des profs, il y a des cours, on est d'accord, non? De toute façon, je vais voir avec Lucien, si elle est là, de faire en sorte qu'il y ait des cours ce soir. Quelqu'un peut pas aller à la DM, les gars, sur Discord de ma part, sans essayer de la charo? Je peux vous faire confiance, mes viewers, ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Fabio? C'est lui, là? Du coup, c'est eux? Non, juste de chercher. Oula, toi, t'as l'air bien jeune, toi, hein? T'as l'air de la petite victime de la bande, hein? Comment ça, une victime de la bande, tu veux, je te soulève? Tu parles de mon frère. Arrête, je suis de la même maison que toi. Ton frère, c'est un fragile, c'est un bouffon vraiment inutile dans cette école. Arrête ton bêtise. Il chie dans les urinoirs. Il chie dans les urinoirs, ce bouffon. Ok, bon, allez, toi. Hey, tu fais quoi, toi? Attends. Fabio, ok. Ouais, parti. Fabio. Premier ticket, on y va? Frispel. Oh, c'est bon, ils m'ont saoulé, là. Tu refais qu'est-ce ça, tu vas voir, petit être humain. On l'envoie? Ah, il y a Luciol. C'est moi le président. Luciol, regarde, il joue même pas RP, le gars il a même pas balancé une réplique. On envoie du ticket là. Là, vous allez avoir du taf ce soir, je te le dis. Bon, c'est qui a fait ça là? Qui m'a pris les spells? Qui m'a spellé? Tu vas devoir assumer ta bêtise. Ouais. Alors, comme ça, on protège un petit frère, c'est ça? On sait très bien ce que vous faites dans vos dents, toi et ton petit frère, hein? Ah ouais? Et je fais quoi avec mon petit frère? Hein? Vous regardez des petits, hein? Oui, c'est ça. Vos chaussettes à pougnettes, là. Ouais, les chaussettes à pougnettes, on les sent bien. Vous faites ça mutuellement entre vous deux. C'est bon. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais... En fait, j'ai avec moi Gautam, si tu peux le switcher, parce qu'il aussi, il a été victime de ce spell. Free spell aussi. Mm-hmm. Tu le connais, lui? Salut, Gautam, toi aussi t'as été pris à part aussi. Ouais, bonjour, enchanté en tout cas, super bien la scène que t'as essayé de proposer. Naka, je suis désolé de revenir aussi vite, mais c'est un des mêmes de tout à l'heure qui continue à freespell les gens, quoi. Enfin, ouais, ils sont deux, apparemment, c'est son frère, il a voulu le défendre ou quoi. C'est Fabio, tu sais, vous avez la grosse voix que je prends. Fabio et puis l'autre, celui qui était dans le cas Freespell Killer sans même connaître l'histoire. Oui, Fabio, ouais. Ces deux-là, là, alors Fabio n'a pas du tout répondu, hein. On était en train de jouer une scène, et lui, il Freespell instantanément sans qu'on ait eu l'occasion d'entendre sa voix. Donc je ne sais pas... Je suis désolé, Anna, je dois revenir aussi vite t'emmerder avec des broutilles comme ça, mais ça ruine... Enfin, je connais pas Bakary, mais lui, il joue bien, tu vois, et puis je vois mais les merci, mecs... Merci, je t'envoie l'appareil, mais c'est vrai qu'on propose des choses et... Franchement, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, comme never, quoi. J'ai jamais vu ça. Bah, on va voir. Pire en pire. On va voir ce qu'ils ont. Si on peut les remettre dans le droit chemin, on le fera. Hein, leur expliquer un peu les bases du remplay. Ça. On va leur expliquer parce qu'on est beaucoup plus âgés qu'eux, je pense, certainement. Ah, oui, c'est. Comment dire pour te lancer un ballon Nico sur Bakary, s'il te plaît. Et sur moi aussi. Lui, dans la main. Ma voix, ils ont pas à faire ça, non? Ok, c'est un pigeon, on va le cuisiner, lui, on va le terminer. Ils insultent ta voix, ils ont dit quoi? Ils viennent, ils sont sur le pont, on arrive, ils viennent, ils me font « mais toi, ta petite voix, là, tu dois être la petite victime du groupe. » Par contre, moi, je t'ai rien dit. Ah, ce sont mes propos, donc. S'il vous plaît. Ouais, on va le laisser parler, vas-y, oui. Ok. Pardon.
Donc ils t'ont trash talk sur ta voix, c'est ça? Denis, je crois qu'il va le dire. Ouais. D'accord. Et du coup, tu leur lances un balonico. Putain, il est en déprime, ouais. Le modo. Il est pas vu. T'as lu le règlement du serveur? Oh putain, attends, il va le terminer. Ouais, vas-y, on sent que j'irai lire le règlement. Non, ma question, c'est est-ce que tu l'as lu, oui ou non? Pas entièrement. Non, il l'a pas lu. Donc, ouais, il a pas lu. De 1h30, tu vas aller lire le règlement, tu reviendras plus tard, d'accord? Soirée terminée pour le pige. Allez, hop. Allez, va te coucher. Voilà. Oh, c'était facile, hein, on n'a pas eu besoin de trop s'expliquer. J'avoue, il est trop bien ce matin. Ah, bon, il répond pas, donc à mon avis, il a dû comprendre qu'il en méritait cette sanction. Oui. Ah, attends, là, c'est pour nous. C'est le trash talk sur la voix, ça, il a pas dû aimer. Ouais. Je vous prierai d'être tolérant avec les joueurs qui n'ont pas forcément la même voix que vous ou que d'autres personnes, donc notamment les plus jeunes. Et trash talk sur ça, vous savez peut-être qu'à un certain âge, ça peut blesser, donc je vous prierai d'éviter. Ah non, non, sans... alors je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je suis arrivé après, hein, donc. Donc, il est arrivé là-dessus, donc je m'expliquais là-dessus. En fait, je suis arrivé, ils étaient toute une bande, etc. Donc, lui, donc j'ai fait cette remarque sur sa voix. En aucun cas, je le connais, hein, je l'ai jamais joué avec lui ou quoi que ce soit, hein, c'était pas du tout un harcèlement ou c'est quelque chose que j'ai fait de manière répétitive. J'ai fait juste ça une fois, ouais, il est bizarre, enfin une remarque sur sa voix. Et après, sans me répondre directement, en jouant sa scène, alors il aurait pu, franchement, s'il m'avait répondu en me disant, ouais, alors t'as un souci, tu vois, en s'énervant, parce que tu vois, c'est des petites chamailleries qu'on peut retrouver dans une école, t'es d'accord? Il y a aucun souci là-dessus. Mais lui, il a direct envoyé son spell. Et voilà, j'ai rien pu faire, quoi. Si ouais, je après, peux comme je te dis, il faut savoir que même si toi tu cherchais pas le blesser ou quoi, bah il faut se rendre compte qu'à cet âge-là, certains choses sa voix, ça peut. Oui, non, mais là je comprends. Ça peut, ouais. Blesser, et du coup c'est pour ça qu'il a réagi comme ça sûrement, donc t'inviterais à éviter à l'avenir. Sinon c'est toi qui prendras une sanction. Oui, y a pas de souci, je comprends, ouais. Bah c'est bon. Oui, le Tom. Non, c'était pour dire que moi quand j'étais arrivé sur la scène en fait, Bakary, j'ai tout de suite remarqué qu'il essayait de créer une scène, quoi, qu'il n'était pas dans l'attaque et tout. J'ai pas entendu la réflexion sur la voix. Tout ce que j'ai entendu en arrivant, c'est Fabio, je crois, c'est ça, hein, en oui. Train d'insulter tout ça et de jeter des sorts en même temps. Enfin, c'est. Ah, donc pendant que j'étais dans les airs en train de subir le ballonico, bah oui, c'est. Il était en train de m'enchaîner. Ça, ok. Un ballon parce que moi j'avais rien à voir dans l'histoire en fait. Donc moi aussi je me suis pris un ballonico là, je sais pas quoi. Et alors que je venais d'arriver sur place, quoi. Ah, donc, dit, oh, les gars, pendant le ballonico, en fait, ils en profitent pour nous parler et midi nos persos, d'accord. Bon, ça c'est. Bon, après c'est bon. Okay, en tout cas merci, hein, vous avez été très réactif et lire le règlement. Par contre, oui. Un con à faire comme si vous connaissiez. Pardon? Comment? Tout à l'heure quand vous étiez en mode oui écoute t'as un très bon RP, je te connais pas, etc. À l'avenir, bah évitez. Bah on a le droit de. Je le connais pas. On se congratule quoi. Non, on le connaît. Mais vous deux vous connaissez pas. Je le connais pas personnellement, quoi. Et je crois l'avoir déjà croisé, mais pas plus que ça, quoi. On prend pas des brunchs tous les dimanches, quoi, on va dire. Pas loin de moi l'idée de pas le vouloir le faire, hein. Si à l'occasion je te croise dans la vraie vie. Ouais, non, mais moi avec plaisir. Hein. Ce serait dommage de se prendre un bon pour foutage de gueule, quand même. Ah non, il y a nos foutages de gueule. Il se trouve qu'on a on a des affinités, donc il y a pas de. Ouais. Bon, je vous renvoie. T'es sûr que tu confonds pas Nash, parce que ça. Je crois que c'est un gars qui. Putain, mais ce problème, c'est que ça casse les couilles, lui. Merci, ouais, en tout cas, très bien. Il nous stalk et tout. Ouais, stalk, ouais. C'est ça qui est chiant. C'est ça que je veux dire. Le problème, c'est que, Lucien, faut vraiment pas que tu dises. On va se faire ban pour, ouais, vous faites semblant de pas vous connaître. Merci, ouais. Roman Sioniste, c'est ça qui est chiant, quoi. Ça a fait le tour et du coup, maintenant, on est tricard. J'aimerais trop revenir avec d'autres persos, tu vois. Genre, change nos voix, nos pseudos ouais, et. Ça, là, ils vont le lissub et c'est terminé, tu vois. Là, on est tranquille. Ouais, parce que là. Ouais, il y a fil. Si vous voulez faire une petite danse avec moi. Ah ouais, wesh. Wesh. Oui, oui, il mérite vraiment la danse. Oui, oui, c'est ça. Pas fini avec toi. Va danser avec Phil. Oui. Par contre, Lucien, faut pas qu'il parte en égo pour ça. Ça va, on rigolait. C'était rapide. En plus, même pas. En fait, il y avait aucun cas de relever ça. Et... C'est dommage qu'il voulait y faire un peu le mec là-dessus. Dans le ciel, voyez. Moine Augustin. Moine Augustin. La liberté. Non, Phil, saute pas. Il mérite pas. Tu vois bien qu'il veut pas de toi, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Hein? C'est qui ce petit là? C'est qui ce petit? C'est ton ami? Enchanté. Qui? Okay. Oh, c'est un petit. Oh, t'es mignon. T'es tout mignon. T'es tout mignon, petit. Merci, les copains. Oh. Tu t'appelles comment? Je m'appelle.
D'accord, je ne connais pas. Bon, je ne connais pas. Allez, on y va. Gratte pas trop l'amitié, en fait. Une petite victime comme les autres. Ça va, tu vas mal finir. Comme les autres. Tu vas pas faire deux semaines dans l'école, toi. Bon, il y a des profs ce soir ou pas, Lucien? Ils peuvent nous faire kiffer, là, dis-moi. Est-ce que tu en reconnais certains, là? J'ai compris, t'as pas d'aspect, tu utilises un blague que je t'ai fait il y a un jour. Il est tout le temps. Le gros, il est mignon, il est gentil. Comment ça va? T'as bien mangé ce matin? T'as l'air en forme, hein? Et toi, il était bon, ma fille, ou pas? Oui, j'ai mangé aussi mes fruits et légumes. J'ai bien pris les bananes, comme tu aimes bien. Les bananes, c'est ça que tu voulais entendre, les bananes. Attends, j'ai dit à manger, tu m'as fait, tu vas faire quoi? Mange-le, le gros, le petit. Dit que tu devais pas. Allez, petit, réponds, il t'a dit, tu m'as fait ou quoi, là? Réponds. Oh, il n'y a pas de prof. Bon, il y a celui qui se connecte. Il faudra un prof. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas. Tiens ta langue, le bâtard. Tiens ta langue, il a dit. Il faut que tu parles du haut vers le bas, on t'a dit. Tu comprends un peu? Mais toi, tu veux quoi? Mets-toi à genoux, je vais te montrer. Tiens ta. Prends ta langue. Il est parti. Il ne sait pas quoi dire. Mais petit premier année, on va t'apprendre la méthode à l'ancienne. Allez, prends ta langue. Ah bah voilà. Hey, laissez-moi tranquille là, je me fais harceler. J'en suis arrivé, non, qu'est-ce que vous avez? Pas toi aussi. Qu'est-ce... Mais comment? C'est comment ça harceler? Moi, ça va mal finir. Comment ça va mal finir? Tiens ton fier. Tiens ton fier. Tu fais? T'as peur? Peur de vous, non? Mais tu vas voir. Tu devrais. Il devrait vraiment avoir peur, je t'ai dit. Vous avez créé une barrière. Ah, t'es une petite demoiselle, bonjour, toi. Bonjour. Oh, serpentaire en plus de ma maison. Waouh. Ouh là là, bonjour. Ah, vous êtes sérieux? Waouh, c'est joli, c'est ça. C'est mignon. C'est tout moelleux, tout ça, j'aime bien. T'es de l'école. L'école. T'es de la chair fraîche, là. C'est ouf, lui. Pouvez-vous venir m'aider? Oui, on va t'aider, oui, t'inquiète pas, on est de la même maison. Oulala. Allez, venez, on le sert dans un coin. Menace, monsieur. Viens, goûter. Il y a la cantinière qui donne des nonos. Alors, ça fait quoi d'être avec moi maintenant? Reste avec Bakari, il va t'aider, il va te montrer l'école. Merci, Solilo. C'est un truc de ouf! Le mec il me dit trois fois oui! Je lui demande si c'est une flash, mais. Oula, c'est Sancho 21, c'est le Sancho le cubain que je connais! Le fantôme! Le fantôme! Mais. J'ai eu un double. Ah non, c'est Solido, merci. Roman Sioniste? Ah non, c'est Sioniste, oula, j'ai eu. C'est ton vrai nom de famille, Sioniste, Roman? Je sais pas si t'es là, bah merci en tout cas. Déjà. Tiens, un petit toast pour toi. C'est qui Mike Adibou? Laisse-la tranquille. C'est qui la cantinière? Tu peux faire à manger? Madame la cantinière? Ouais, tout le temps. Ouais, gros, calme. Mais je joue pas, c'est qui? Je sais pas, mais là c'est un bordel sur le cerveau. Ouais, faut attendre le prochain cours. De toute façon, Lucien, vas-y, allez jouer. Madame, s'il vous plaît. Madame, arrête-la, s'il vous plaît. Ouais. Je veux juste parler. C'est qui ce piche qui joue ça? On va le cuisiner. On cuisine ou pas? Dans les plats parce que moi je vois bien que vous êtes en embonpoint, donc sûrement que vous avez beaucoup le gras. Regarde les stars qu'elle a dans les visages. Regarde les boutons. Regarde, elle est dégueulasse. Vous êtes une rombière imbéjable, madame. Personne vous touchera. Faut manger moins gras. Vous parlez pas! Oh, madame. Il y a la rombière qui insulte les élèves. La grognasse, les gars, suivez-la. Madame, la grognasse. Putain, elle est partie. Et voilà, elle s'est envolée. Telle une île flottante bien grasse, elle s'est envolée dans les airs. C'est des skis. Oh, grosse vache. Donne, on t'a déjà dit, arrête de gratter l'amitié, bouge maintenant. Lui, ouais. Arrête ton bêtise, donne. Vite tes poches, on t'a dit. Non, moi je cherche des amis. Bah t'en auras pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'appelait Tom, s'il vous plaît? Non, mais ce que toi tu vas voir, c'est ta
la cravate autour de ton cou et de jeter ton lit pour faire la balançoire avec le cou, tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, tu vas t'isoler. Il va être tout seul, tu vas voir. On l'a déjà fait à quelques-uns, oui. Arrête de faire le point avec moi. Mais hey, tiens ton fier, si je veux, mon cou il se lève, il tape dans la tempe, je te fais vriller le nerf optique, tu vas peur pendant 10 minutes, et j'ai même pas besoin de baguette pour ça. Alors bouge maintenant. Il veut quoi le binoclard? Tu veux quoi? Tu vas souffrir, tu vas voir le coup du foulard, ce que ça fait vraiment. Arrosez-le, arrosez-le. Tu vas te sentir tout triste, tout seul, tu vas voir, tu vas implorer notre pardon, tu vas voir. Laisse-le un peu, laisse-le. J'ai pas peur de... On va voir, Luc. On le retrouvera. Faire, les petits... On se plante avec les trois, là. J'ai envie de les perdre dans la forêt. T'inquiète pas, on les retrouvera. Dans la forêt, on les attache à un arbre et après ils peuvent plus manger, ils meurent. C'est trop drôle. C'est le mec, là. Mike Amalibus, c'était le gars qui jouait la machin. C'est quoi ces mecs qui prennent d'autres persos et ils font... J'ai envie de le HRP, tu peux lui. Arrêter, toi, avant que... C'est lui. C'est pas cohérent, tu vois, il revient vers nous, il fait ça, là. Pas de... Écoute-moi la petite guignole, écoute-moi. Hein, parce que je sais très bien que t'es la quand il y avait ici. Reste là. Reste là. T'as vu ça, Yuyu? Petite pub. C'est pour faire de la merde comme ça, putain. Je pense que c'est un stalker. J'espère que c'est un stalker, j'espère vraiment. Mais j'ai voulu te raquer parce que t'es un petit. Je te raquette tout de suite, commence pas à faire le fou. C'est fou le docteur. Hé, hey, toi, range ta gorge là avec ton micro pourri là, vas-y dégage. Non, je vais me casser les couilles, tu vois, c'est son micro de merde. J'ai envie de pas t'en acharper, hein. Ouais, micro wish exactement. Je passe en acharper des scores. Non, pas fou. Arrête. Voilà, il a pété là, c'est quoi cette odeur? Recompte dans ton commerce, là. T'es qui? T'es pas de son petit copain, tu lui tiens la main, et après, de temps en temps, tu lui tiens le gland. Tu calmes, après, il est calme. Va te vendre des chips. Son petit gland. Les seuls chips que j'ai vus, c'est celles que ta daronne s'enfourre dans le gosier à longueur de soirée. Du calme, gros. Mais pourquoi vous changez les cours? Gros, le seul gros, c'est ton daron, ce gros chevelu. Qu'est-ce que vous faites le staff, les gars? 13 ans, c'est botanique, hein. Vous faites quoi, là? Arrête. Ton père il roule devant la télé, frère, arrête. Allez, retournez là-bas, retournez vendre vos tapis. Hey, tiens ton fier, le petit, tiens ton fier maintenant. Tu tiens ton fier ou je t'attrape par le col. Tiens ta peur, on te dit. Tu es censé avoir peur. Lâche-le. Lâche-le. Tiens ton fier, ton fier. Ça balance des sorts, ici. Dans leur micro, à tous, là, je sais pas. Vas-y, on se barre, Oui, c'est toi, t'as aucun sort, tu peux nous lancer. Tiens, qu'est-ce que tu fais là tout seul, tu t'ennuies? Hop, t'es blanc, lunettes. Non. Ah là, le petit blanc bec, ça va ou quoi, petit blanc? T'as besoin de pote? T'es mignon? Vous deux, une petite chose. Non. Tu veux qu'on check? Tu veux qu'on soit pote? Tu veux qu'on soit ami? Bon, je sais pas, je sais pas. Pourquoi t'es dépressif, tu restes tout seul? Je suis de temps en temps que je suis solitaire, oui. Ah ouais, on va te mettre loin tout seul, parce que rien, je t'ai parlé deux secondes, tu m'as déprimé. Je bouge maintenant. Elle est un peu devenir ami. Ah, tu l'aimes pas, lui? D'accord. Je sais pas, il a parlé deux secondes, il m'a fatigué. Il y a un enculé qui s'est pris un ban. Vous avez vu les logs ou pas? Est-ce que vous voyez les logs, les mecs? Les logs. De plonger maintenant. Tiens, bouffon, tiens, prends ça. Propos inadéquat, RP bancal, il rape avec un micro médiocre. Putain, c'est qui l'a ban avec sa main? Il a pris un ban direct. Ah non, il a 4320 minutes. Apologie au nazisme, je demande le ban perm. Il a dit le H-word. Putain, me gaffe, je t'école là. Oui, c'est qu'il veut quoi, lui? Il nous suit depuis tout à l'heure, j'ai envie de lui faire du mal. Oh, je vais passer. Si c'est un stalker, je le demande à un banan. Tiens, je sens pas les coups de ton gueule. Pourquoi tu restes près de nous? Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Tu sens mauvais. Écoute, tu sens mauvais. Voilà, dégage un peu. Voilà. Il fait du bon travail, le gros. Le gros, vraiment, il protège vraiment. Un rayon de protection. Ah! Reste là.
En fait, t'es sympa, toi. Je t'aime bien. Comment au cours de l'ordre de ce plan de... Petit renseignement. Écoute-nous, petite demoiselle. On va pas te faire de mal, on veut avoir des renseignements. Je suis pas Régis, je vais pas commencer à faire des trucs chelous. Reste ici, je veux te parler. On est de la même école. Mais t'es déjà lu, Boots? Ok, bah tu fais, ça mérite un ticketus. Hein? Pourquoi elle répond pas? Ah bah enfin tu t'es arrêté. Voilà. J'ai couru. Enchanté. C'est que tu nous as créé des points de côté. Tu as une voix ou alors? On veut juste parler. Ou tu n'as pas de glotte, tu as un... Alors on l'a mis dans le coin. Allez, dis-nous toi. Petite gazelle, ça va? Dis-nous toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Que ressens-tu? T'inquiète pas, on va la voir comme Never. T'as pas le droit d'aller là-bas, c'est pas ton. Pourquoi elle parle pas là? Je veux pas y arpé là. Tiens, tiens pas sa scène elle. Elle roule là. Oh, y'a plus que des piges qui tiennent plus là. Bon, vas-y, on va prendre une équipe, on va se rendre le prochain cours. Hein. J'espère qu'il va y avoir lieu. Il va avoir lieu quand même le prochain cours. Attends, isolation à la Hacker Style, ouais, mais. Bah, elle se barre, hein. Laisse tomber. Vas-y, laisse tomber, Bakari, ça c'est le genre de meuf, ça prend même pas dans le péteux. Ah oui, j'ai quoi là aussi, oui. Dans les... c'est-à-dire, mais on commence à les péteux, c'est quoi? Ah, hein, les proutes! Oui, là où ça fait le péteux. Ah, le petit trou du bonheur, le petit trou du sombre. Quand c'est tu... Le... Tu la regardes, tu lui dis penche-toi, après tu la fais tousser, tu vois le trou, il s'écarte, c'est trop rigolo, il s'écarte, il se resserre, j'aime trop le péteux. C'est bon ça, le péteux, d'accord, nous on je maîtrise pas cette, vraiment cette technique. Nous quand on gâte le coin, on y va directement en frontal. Mais derrière il y a aussi le péteux, d'accord, ça c'est à utiliser un peu. C'est-à-dire que le péteux c'est intéressant, mais tu peux pas le pratiquer avec tout le monde. Parce que déjà, faut être sûr qu'elle soit pas bouchée. Parce que si elle a le péteux qui est à deux doigts de la chachiga, tu vas mettre ton doigt dedans, tu vas juste pousser un mikado, il va sortir ton doigt, c'est un mikado crunchy. Donc il faut bien préparer le truc, s'assurer qu'elle a fait caca avant, qu'elle mange pas trop de fibres, tout ça, qu'elle soit pas constipée. Enfin, c'est compliqué, c'est un art. Ah, tu connais tout ça là. Là, c'est un art. Mais vous, les Indiens, avec le Kama Sutra, tout ça, là, vous maîtrisez vraiment l'art de toucher, de tout, oui, hein? Oui. Oui, on fait toutes les positions différentes, on s'amuse beaucoup, quoi. On s'amuse beaucoup, on fait ce qu'on peut, on fait de la gym en même temps, je sais pas. D'accord, si je trouve une nouvelle partenaire, là, tu vas me montrer, tu vas être mon guide un peu. Oui, oui, on peut faire à deux sur un. Ah, c'est possible à deux, ça marche? On peut... Oui, oui, oui. On la prend en deux, tu prends devant, derrière, que je... Tu la préférence, moi je te laisserai choisir, et puis après moi, je prends l'autre côté, et on peut faire ce qu'il faut, quoi, et on va pas s'occuper d'elle. C'est un travail d'équipe, ça. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est de la gym, hein. De toute façon, ça s'emboîte. Les corps humains, ça s'emboîte. Donc après, c'est facile, comme des Lego. Oui, oui, on va emboîter tout ça, là. Merci des conseils. Attends, je regarde, je vais regarder ce qu'on a comme cours après. Ouais, comme salam Billy, merci, bah, applaudissez. Bah, il nous donne quelque part, c'est quand même une leçon de vie, hein, Harry Potter. Super, il y a cours de sortilège après. Oh putain, alors, les sorciers, les sorciers, les sorts, allez. Cours. Allez bien, on y va. Est-ce que je mets en glisse les escaliers? Ce qu'il met. Oh putain. Me dites pas qu'on va faire une soirée full ticketus quand même. Après, il y en a qui méritent, hein. Ah merde! J'ai frotté. Mais comment ça t'en libre là? Ça casse. Non mais Luciol, il faut faire un. Attends, je crois qu'on va se plaindre à Sherpé, hein. Ils mettent des temps libres pour feinter les cours, les modos, les staffs. Ouais, mais mec. Attends, il y a 2 heures de temps libre là. Attends, mais je comprends pas, il y a 15 000 staffs, les mecs ils modèrent, mais ils font jamais de cours. Ah, mais regarde le nombre de personnes qu'il y a, il y a des sorciers adultes, tout ça, personne fait cours. Vas-y, Sherpé. Tu fais un ticket? Monsieur, en fait, c'est que je vais vous le dire. Oui, voilà. En fait, c'est qu'il n'y a pas de course, c'est qu'en fait, il y a une vente aux enchères. Ok, lui, il stalk, lui, non? C'est Achille. Ah, ok. Une vente aux enchères, pas. Oui, c'est ça. Noir. Ramène ta copine de la semaine dernière, hein, qu'il est là. Ramène-la. Elle s'est mieux débrouillée. Elle maîtrisait mieux. Au lac noir, guignol.
Ramène-la, ramène la femme blanche là, ramène-la. Je sais pas où c'est. Jouer au badminton. Attends, il a ramené qu'une fois la meuf, il s'est fait friendzone, c'est bon, c'est terminé quoi. Il l'a mis, Phil. Là, j'ai pas entendu. Il lui a parlé de badminton. Casse-toi, ramène la meuf là, on veut pas de toi en RP. Putain. On veut sa pote là, qui était là la semaine dernière. Putain. Ramène la fille. Montre-nous le lac noir. La Mélina, là, elle est où la Mélina? Ramène-la. Le lac noir, je sais c'est où, venez. Elle est dans ma tête là, elle est en train de me dire de ramener du walk to walk. Donc lui, maintenant il a les droits pour avoir le moine, putain. Attends, mais comment ça se fait? Il a tryhard. Regarde, en plus c'est lui qui était là depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Non mais attends, je crois mais que... qu'il fasse un cours, Raichil, qu'il fasse quelque chose, non? Ouais. Bah ouais, un cours, ouais. Au moins un cours. Parce qu'il aurait le droit au bâton, quoi. Ouais, mais t'es sûr qu'il va faire un bon cours, Raichil? Non, non, pas du tout, mais c'est mieux que rien, quoi. Il a fait pont le staff comme jamais, quoi. Oh là là. Apportez-nous du contenu, si c'est pour travailler dans off, les gars, apportez-nous quelque chose, au moins. Servez-nous sur un plateau quelque chose, qu'on ait à manger. Vous servez à rien, vous restez en spec, à rien foutre. C'est ouf quand même. Mais c'est quoi leur truc là? Ils vendent quoi ces schlags? Ça doit être nul à chier encore. Je crois que je vais ranger dans le... C'est quoi? C'est double, double slash? Et je mets HRP, c'est ça? Ou même pas ouais, besoin? Double slash et c'est bon, ça fait l'HRP. Ok. On va voir leur event là, devant aux enchères, on va voir si c'est claqué ou pas. Je sens que ça va être claqué, c'est sûr. C'est où le lac noir? Ça se trouve, c'est eux qui font laguer le serveur avec leur vieux truc claqué, là. Je pense, ouais. Le serveur, il lag, là. C'est comme le truc qu'ils avaient fait, là, de la boîte, là, tout éclaté. Mais la semaine dernière, ça laguait pas, t'as vu, c'est en bas. C'est on avait fait le cours de Quidditch avec Luciole, et ça s'est très bien passé, quoi. Non, mais... Ah, mais quand il n'y a pas Luciole, ça va pas. Oula. Attends, oula. Pourquoi ça se glisse, ça, non? Ça se... Vas-y, on compte. Je l'attends. Ah, testé. Oh, c'est bon. Aïe. Mais non, regarde, regarde-moi, c'est... Mais non, il y a un event. Ils sont trois. Non, non, ils sont trop. C'est bon, c'est pas grave. Hein. Vous êtes censé hanter Poudlard, vous savez. Poudlard, c'est là-bas. Oh, ouais. C'est quoi ce truc claqué? Mais c'est pas Poudlard, c'est... Merci beaucoup. C'est des bots, ça? C'est qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Ce sont des robots, ça? C'est quoi, ça? Veuillez ne pas déranger les autres, s'il vous plaît. Comment ça? Comment ça, Serkil? Il veut quoi, Inspecteur Gadget, là? Il s'appelle Capitaine Cooper, c'est quoi position, le... Position, 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 c'est... Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a Luciole. Veuillez ne pas déranger les gens. Merci, Schumacher, vous déplacez vers l'avant. Salut, Sky. Je peux détester celui que Sky. J'ai des baisers du crâne. Il est où, Bakary? Il t'accompagne toujours? Oui, il est là-bas, là. Bakary, viens, il y a Sky. Salut. Parfait, c'est bon. Comment tu vas? Elle est super séduisante. Oh, Moon, comment ça va, Moon? Oui, ça va bien, nous. Comment tu vas? J'ai fait quelques petits achats qu'on kiffe. Tu peux bouger, Moon, s'il te plaît, on doit parler. Oui, à on doit parler. Attends, c'est mon frère. Ah, il te ressemble pas trop, quand il même. Il vient après. On dirait pas qu'il est ton frère. Oui, il est adopté, t'inquiète. Ah, ok, je comprends. C'est pas la même beauté. Hein. Mais non, je rigole, c'est mon jumeau. Ouais. On récupère le colis. Ben, vous vous ressemblez pas beaucoup, hein, parce que si je lui mets des cheveux, il est tout autant dégueulasse. Bah, c'est ce qu'on appelle des faux jumeaux. Ouais, heureusement, il est bien faux, lui. Lui, il est bien faux, lui. C'est comme un faux sac Gucci. Arrête, oh. Ouais, il a le truc qu'il parle, on comprend rien ce qu'il dit. Tu peux t'en aller un instant? On comprend rien, on comprend pas. T'as fait quoi comme achat compulsif encore, Moon? Il a acheté du coton, il l'a foutu dans sa bouche. De quoi? Il joue avec des micros de merde. Un animal de compagnie. Mais t'as Luciole, j'ai envie de la sortir. Elle mérite mieux que ça, Luciole, franchement. Hein. Un cochon. Bah, t'as vu ça, instructeur Anne? Avec lui, tu perds ton temps. Tu mérites pas d'être avec ces gens, vraiment, non, je t'ai dit. Vas-y, retourne dépenser ton argent, là. Et reprends un peu de coton et fous-le dans ta gorge. La famille, c'est quoi ça? Et on t'entendra moins comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici, la petite Sky, là? C'est quoi ça? Je veux pas être méchant, Sky. Hein. Est-ce que je peux acheter le piano? Tu sais en jouer ou pas? Le piano? Ouais, oui, je t'en jouer, mais non, non. Va l'acheter. Va l'acheter, va lui faire plaisir. Putain, je pète un câble. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce
que tu sais quoi, vas-y, vas-y, dépense l'argent, ce que tu veux. Sky, je peux te dire un truc pour un frère, oui, il a quel âge? Il a quel âge? Bah il a mon âge, donc 17. Ouais bah franchement ton frère il n'aura jamais les 8 ans, ça se voit tout le temps. Donc t'attaches pas trop à lui, ça va te faire de la peine. Ça, ça veut dire quoi ça? Tu vas mourir, tu verras. Bah ça c'est le genre de personne, ça se retrouve tout bleu dans une chambre, enfin tu verras. Donc c'est ça, c'est ça les vêtements, et tu sais quand les cours ils vont reprendre? Parce que là il reste à s'asseoir, à attendre là comme ça. Honnêtement, je pense à la fin des enchères, parce que pour l'instant, étant donné que tous les élèves sont là, les professeurs vont pas faire cours. Cooper, la prochaine fois on le chauffe pas. D'accord. Ouais, c'est nul, non? Mais c'est nul, on va aller voir vite fait. Allez. Bah, C'est vous ruinez les enchères. J'ose pas le dire, mais ouais, c'est éclaté en fait. Qui s'est développé au sein de l'école, qui s'est très vite répandu à travers tous les élèves, une carte Takeshi Ultra limitée édition du sortilège Dragonair Blue de base. Ouais, perdre votre weeb. Je m'étonne que le serveur est là, ils sont tous là. 5 millions de base. 100, 300. Il participe. 2000. Attends, je monte les enchères, vas-y, on s'en fout. 20 000. 10 000. J'ai trop envie de dire, mais tu t'attendais à quoi avec ton event claqué? Ils ont vraiment vu que ça allait bien organisé. C'est bon, j'ai gagné en charge. 500 000. Vous voulez ou pas, les gars? 500 000. C'est pas moi qui ai gagné 500 000. Ah, t'as gagné l'enchère? Merci, Ina, qui s'abonne en tant que pilier. Merci beaucoup. 30 galets. Ah, bah, désolé, vous avez. Donc, 500 000 par monsieur Pendragon, 500 000 une fois. 500 000. 500 000. 800 000 par monsieur Lassé. 1 million. 1 million ici, là. 1 million. Toi, tu fais des courses. 800. Vous n'avez pas l'argent, monsieur Babou. Bakary, je le dis très bien. Donc, comment ça, j'ai pas l'argent? J'ai l'argent, mais c'est quoi ce jugement là? 800 000 par aspirant. Il est aspirant. Il est sérieux là? Il a dit combien? 800 000. 800 000. Parce que je suis noir, c'est ça. Combien? 805 000. Oh putain, il l'a pas eu. Il le voit, ça, il le voit, c'est un modo. Mais c'est nul. 905 000. J'ai envie de déclarer les à la fin des enchères. Attends. 906 000, c'est bon. Adi, j'ai vendu. Je déclare la fin de la vente aux enchères terminée. Vous pouvez rejoindre la salle. On y va. 910 000 une fois, qu'il y a une attaque de loups et qu'il faut rentrer dans l'école. 910 000 trois fois pour monsieur. Il y a des loups qui attaquent. Je propose qu'on rentre. Il y a des loups très doux dans l'école. Il y a des loups. Ah oh non. Oh des loups. Attaque loup. Continuez de le faire marcher. Il est 14h. Il est 14h. Il est 14h. C'est quoi ce JO? Bah y'a le feu chez toi. Bah non, il est 14. Ah non. Il est 14h, c'est impossible. Putain, mais à chaque fois on se tape les pires events, c'est ouf quoi. Ah non, je vais me cramer, attends, je vais voir si je peux mourir comme ça. Alors, vous inquiétez pas pour l'argent qui est tombé, on va s'en occuper. L'argent qui se baille? Lui, on dit que le loup qui est là. De toute façon, vous avez assez d'argent là, non? Avec tout ce que vous avez là. Bougez pas. Bon, attends, prends, fais un sort, sort de ma guise magique, attends. Mais monsieur, votre événement est. Flipendo, hop. Est-ce qu'on peut annuler? Un élève qui arrive, passe. Allez, hop, ça dégage. Combien il a donné? Combien? C'est un joueur. Ouah, j'ai envie de déféquer. Ah, là, il fait 950. Hein. Pas de loup autorisé dans la vente aux enchères, y a pas de loup autorisé. Bonjour monsieur. Pardon, je crois qu'il a cru que vous étiez un loup attaqué. S'il vous plaît, silence, nous allons passer aux deux derniers prix. Alors, pour la. On remet une chasse. C'est pas autorisé, les renards. Excuse-moi, nous avons une véritable signature d'un commandant adjoint d'Aurore. Vous en faites que vous voulez avec cette signature. Le prix de. Il y a le loup qui m'a mordu alors que.
Pendant qu'il y a des messages là qui sont un peu mieux que d'autres. Il se remet en long, on le retermine. Voilà, hop. Il a arrêté ce bouffon. Hein. Mais il est sérieux? C'est bon, j'ai dit. Tu peux éviter de faire ça, s'il te plaît. Bonsoir déjà. Hop là, est-ce que je lui ai remis? Allô, bonsoir. C'est en fait. Pardon? Le renard, mais ça n'a rien à foutre dans une école. Les renards et les loups n'ont rien à foutre ici, dans une vente aux enchères. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un animagus, c'est pas calme. C'est un aurore. Putain, mais il y a tellement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un aurore? De quoi tu me parles d'aurore? Moi, tout ce que je vois un renard et un. C'est pour la sécuriser. Mais non, tu vois bien que les gamins ont peur de cet animal depuis tout à l'heure. Je suis en train de les défendre. Mais non, pas du tout. Alors tu reprends ton skin normal et t'arrêtes de t'amuser à faire le renard quoi, parce que c'est... déjà ça pue, en plus t'es en train de me mordre depuis tout à l'heure, t'es en train de m'agresser avec ton loup et tout. Mais c'est pas moi Bakary le renard. Bah alors c'est qui alors? Bah qui tu le ramènes parce que il va... Bah c'est un joueur. Bah tu ramènes-le parce que là ça va pas du tout là, attends c'est quoi ce bordel là? Il vente aux enchères, le mec il fait un skin non, renard quoi. C'est tout normal. Mais c'est un animal sauvage, il est pas du tout domestiqué. C'est un animagus. Non, c'est un animagus. Pourquoi tu me parles d'un animagus? C'est quoi? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce star? Le renard, tu vois, le renard que tu vois là-bas, ouais. C'est un animagus, tu vois. C'est une forme de magie qui permet de te changer en animal. Tu gardes. Et comment je peux savoir que c'est un animagus? Comment je peux le savoir, en fait? Moi, je vois un loup, il y a des élèves qui sont en train de paniquer. Je t'ai de sortilège. Bah ouais, mais il a qu'à s'annoncer aussi. Moi, je peux pas savoir, moi. Bah, il peut pas, il va pas dire aux gens salut, c'est moi, je suis un animagus, je suis un animal. Mais pourquoi il prend. Mais c'est nul hein. Mais c'est nul, pourquoi il s'habille pas enfin en. Il prend son skin de base, ça suffit largement pour faire la sécurité hein. Justement, il est encore moins impressionnant en renard. Je conçois que c'est pété, mais c'est le cas, tu vois. En tout cas, tu peux pas lui jeter de sort, tu vois. Pour ça que je viens de prendre. Attends, parce que je vois que tu moi, pas jeter un sort, attends, moi je suis apprenti chasseur, enfin fils de chasseur depuis déjà quelques générations. Je peux pas tolérer qu'un renard ait un rôle dans un serveur comme ça. Ni un loup, ça se chasse, ça se tire, ça. C'est pas une espèce protégée, ça se tire. Prends ça, hop, tu tires avec ça. Tire pas avec Everton et Watt, s'il te plaît. Ok, du Space 12. Et puis voilà. Ouais. Passe-moi du gros calibre, mais il a. Il a vraiment chialé parce qu'on lui avait. Alors que le gars, en plus, à chaque fois, il se remettait en loup, en renard, en loup. Putain. Non, pas spécialement. En fait, il est pas venu se plaindre ou autre. Tu vois, c'est moi qui te prends tout de suite parce que le fait de jeter des sorts au milieu de 50 personnes, en fait, mais c'est oui, un mais... Ouais, mais c'était. Je sais, mais c'était un RP. Et d'ailleurs, du coup, quand est-ce que l'événement est fini? Bientôt, j'espère. Bah ouais, parce que c'est trop long et ça fait laguer le serveur, en fait. C'est pour vous, hein. On est d'accord. Bah, déclare la fin des enchères. On va voir ça. Ou au pire, tu fais une alerte loup. S'il te plaît, fais une alerte loup, comme ça, moi, je le termine, l'autre là, qui se met en loup. À 14h, ouais, c'était un peu chaud. Fais une alerte, ouais, il y a un loup qui nous attaque et tout. Dès qu'il... Comme ça, hop, j'aurai une raison de le remettre un petit spell dans la gueule. T'inquiète. Bon, vas-y, je le laisse tranquille, mais j'espère que ça va se terminer rapidement. Vas-y. Même lui, il est blasé. Bon, t'inquiète, oui, je pense. Vas-y, salut, bonne soirée. Thanks, merci. 10 millions. C'est bon, il y a un gars qui m'a vu en train d'harceler en semaine, il m'a parlé, mais ça, il était cool. Il était pas relou. 2 millions. Je sais pas, moi j'ai vraiment entendu ça. Je vais mettre ici sur l'estrade. Oh, maintenant il est en bélier. 10 millions. Ah, il a changé. Ah oui. Voilà, là on est d'accord. On est d'accord que les mecs, là c'est mieux là. Regardez, il en bélier. Voilà, là c'est bien. Mais te mets pas en loup, ça c'est agressif. Combien 3 millions. Mais non. 3 millions 200 000. Non mais regardez-moi les mecs derrière, ils sont à fond. Ils protègent les élèves. Oh là là, mais lâchez ça. Alors ça fait, c'est quoi votre métier? Vous surveillez des camps, c'est ça? C'est drôle. J'espère que c'est bien payé. 350 000 là. Vous allez rester comme ça à surveiller nos arrières? C'est mignon. 50 000 pour le sortilège de Ragon. Allez, deux pas à gauche, deux pas à droite, trois pas en avant, c'est bon, tu sais danser la Macarena. Arrêtez d'être devant moi, vous m'emmerdez mon travail. Bah, c'est pas comme ça la rumba, attendez, je vous explique les pas du Madison, c'est comme ça. Voilà. Allez. Monsieur, vous voulez finir au ministère? Reste calme avec les Monsieur, j'étais en train de vous expliquer. La fonction d'être un SDF.
Sincèrement, vous êtes restez derrière et arrêtez de m'empêcher de faire mon travail. Mais vous faites rien du tout, y'a rien qu'à vous êtes vraiment. Oui, mais vous êtes payé pour faire ça. C'est quoi ce travail de merde? Désolé, mais. Moi, je suis à l'école Poudlard pour pas faire ça. Trois avertissements privés, trois avertissements. Ah, salut, petit bélier. Attends, je te caresse. Toi, je vais te manger après. Oh, il est mignon, le pied. Oh, il est mignon. On va faire un rogat Josh avec. On va t'appeler Al Kebab. Comment ça va, Al Kebab? On va se charger de toi. T'as rien contre les broches? Je vais t'égorger, après je vais te couper en viande hachée et je vais faire du kimanan. D'accord? Ça te va comme carrière? C'est bien ça, non? Bon débouché. Bon. On va la manger. Eh, regardez-le, le frigidaire qui tourne dans tous les sens avec sa baguette. Il croit qu'il protège quelque chose. Ou danser la macarena ou quoi? Là, c'est parti, mais je ne sais pas si c'est normal. C'est une vraie chèvre. From sorcier to leader. J'espère que je ne vais pas connaître la même trajectoire de carrière comme vous à surveiller des camps. Ah oui, vous m'avez fait perdre de l'argent. Première sommation, écartez les lieux. Très bien, mais je reste derrière. Je me suis écarté, vous êtes censé nous protéger. 4 millions. Vous voulez prendre une attention. Le commandant adjoint, quoi? 4 millions pour le commandant. Maintenant, vous reculez, vous ne laissez pas notre travail. Je me laisserai jamais dominer par un monsieur. Qu'est-ce qu'il veut, inspecteur Gadget? 4 millions. Go go gadget au travail. J'ai vendu pour le commandant John Nettle, le sortilège Dragon Blue. Chef de Koh-Lanta. Merci monsieur. Non mais ils sont à fond, regarde, ils surveillent en mode bot. Regarde, il y en a plein, regarde. Oh, hein. Ça paye bien le des baguettes pour 5 millions. T'en viens, on prend celui qui est plus isolé. Ouais, vas-y. Je vous la donne de suite. Bah alors, bouffon, on est leader. Alors, tu vas rester là toute la soirée? Franchement, je préfère être chauffeur de bus mobile que d'être videur d'une vente aux enchères. Je vais demander à partir. On a le droit de rester dans le cercle. Tant qu'on reste dans le cercle, on a le droit, vous avez rien à nous dire. Monsieur, je peux vous poser une question? Comment ça, amende? Je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Monsieur? C'est trop tard. Eh, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Si on finit nos études ici, on finit comme vous, parce qu'à ce moment-là, j'arrive tout de suite. Parce que pour devenir un clodo comme ça. Pardon, excusez-moi. Partez d'ici. Quelle autorité. J'ai même marre, vraiment. J'espère que quand la 7e année, j'aurai d'autres débouchés que d'être un SDF comme vous, monsieur, à traîner dans la forêt. Je me suis fait un petit processus pour la chèvre. C'est terminé. Wow, frère. C'est bon, c'est terminé l'event. Oh putain. Moi je suis en ticket, tu sais. Enfin, on est libéré, l'événement pourri. Allez, enfin, on est libéré de cet événement de merde. Allez. Reprise de la formation. Eh le gros, franchement, c'était pas le pire événement qu'il y a jamais eu. Moi c'est merde. On a ce bol à la tête. T'as jamais vu ça? Retour au ministère, vous êtes autorisé une apparition. On s'en fout de Condor, de toute façon on fera ça plus tard en fin d'émission. Il parle que de ses formations, c'est chiant à la longue là. Il est plus dans l'esprit fun à l'époque. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Après vous allez me dire ouais mais Riri c'est normal, il a du bitcoin et tout, il fait des formations, il est full thune. Mais ouais mais bon, je veux bien, y a pas de soucis hein, qu'il réussisse, y a aucun problème. Mais des fois ça tombe trop autour de ça. Alors que nous on veut l'ancien Condor là, qui faisait des petites animations CS sur ses vidéos, c'était sympa. Où il y avait Gaspard, plusieurs intervenants qui nous faisaient rire. Déjà, il a même pas pris Choupa, déjà, j'ai le seum, alors qu'il devait le prendre. Je comprends pas. Oh, ce que j'ai mis le ticket tu, j'ai dit qu'à cause des lags, c'était pas voulu. Et... C'est passé. Ah ouais? Ouais, ouais, bah là, ils sont en train de me dire, ouais, le serveur, c'est horrible. Gaspard a dit ça? Oh, les daïfs. J'avoue, là, tu pouvais mettre un petit sort, un petit déverté. Ah bah là, on peut se faire plaisir. Ça, c'est de la moula en moi. T'es où? Attends, j'ai envie de le faire sur lui, là. Sur un gros... Comme ça, la prochaine fois, c'est bon. Vous avez un papier, un stylo, quelque chose? Bon, monsieur, quand vous aurez fini de faire vos conneries, de signer des autographes,
Tout simplement, je voulais vous dire, j'ai un rappel à vous faire concernant votre sécurité. Ça a été vraiment déplorable. Vos amis, là, vos collègues sont restés plantés comme des piquets alors qu'on a une attaque de loups. Allez, je m'en vais. Excusez-moi, c'est zéro. Si quelqu'un, on a quelque chose à faire de ce qu'il raconte. Voilà, merci beaucoup. Non, je confirme ce qui vient d'être dit. Ah, merci Phil, merci beaucoup Phil. Ne prenez pas comme ça, je vois que ça vous affecte, messieurs, hein, de réagir de cette manière. Et ensuite, on parlera. Mais je suis un étudiant. Peut-être noir, mais étudiant quand même. Donc respectez-moi. Il est en égo, lui, non ? Vous voulez pas faire pour monsieur. Une bonne journée à vous. Bon courage, c'est pas mon problème. Pas de problème, à vous également. Aspirant, on y va. Ouais, mais on paye l'école, y'a pas. Merci, monsieur, d'avoir assuré la sécurité dont on n'avait pas besoin. Parce que vous êtes débile. Comment ça, gros-là ? Comment ça, gros Ils sont sérieux à avoir traité gros là? Pourquoi vous respectez pas les élèves? Pourquoi vous m'avez traité? Vous traitez lui de gros lard maintenant? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros lard? Comment ça, gros lard? Je te lâche pas. Jeune homme, arrêtez d'embêter le commandant, sinon vous allez finir au cachot. J'ai une GoPro US. J'ai un seul GoPro US, j'ai tout. Dans ma tête qui est dans ma mémoire. On va vous tiquer tous GoPro US. Allez, retournez manger du pain rassis dans vos cages là. Laissez-les parler. Voilà, ravalez votre salive. Écoutez votre chef. Ça doit être un contrat première embauche. Allez, bolos. Ouais. Voilà ce que vous allez faire si vous ratez votre première année. Regardez ce que vous, en quoi vous allez terminer. Tu vois, Bakary, c'est comme quand les gens, tu les fais devenir sécurité dans un supermarché. Ils ont l'impression d'être garde du corps du ministre, alors qu'il faut juste la sécurité, surveille que personne ne vole du lait. Bande de bolos, ça rien. J'avoue, c'est vrai, costume, ils ont l'impression d'avoir du pouvoir. Pensez qu'on va prendre une seconde lame C'est bizarre. C'est vrai. Ah, monsieur Wagner, comment on se retrouve? Bâtard. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bizarre, ouais. Vous pensez qu'on va prendre un retour de bâton, les gars, ou pas, Mary? Absolument. Ah, putain. Je viens prendre de vos nouvelles, vous allez bien? J'entends rien. Eh, monsieur. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Attendez. Est-ce que c'est normal que le commandant adjoint me traite de gros lard? C'est véridique, tout le monde a entendu. Oui, c'est vrai, il l'a entendu, oui. Il a raison. Dire que c'est vraiment les pires événements de toute ma carrière d'étudiant ici, je vous dis. Oui, c'était horrible. Vraiment, abstenez-vous de faire ça. On fait les cours normalement, mais abstenez-vous. Vraiment. Ne vous faites pas de mal à organiser des événements aussi pourris. Je vais juste la prochaine fois que la personne qui a une idée des enchères propose une idée, monsieur, vous arrêtez tout de suite, je pense. S'il vous plaît. Merci. Pardon. Donc, l'élève qui passe l'avoir été autorisé ira faire un petit tour au cachot sans sommation, d'accord? Donc monsieur Le Beauf, je suis le frère de monsieur Le Beauf. Je suis moi-même Le Beauf et j'étais présent. Aspirant, on y va. Monsieur Le Beauf, on y va, dépêchez-vous, pas que ça à faire. J'ai pas entendu, pardon. Passez la porte ici s'il vous plaît. Vas-y. Merci. Après les élèves, il y en a un seul qui passe, c'est Cachot. Monsieur Philippe Le Beauf compris. Mais c'est quoi cette dictature? T'es allé toi? Non. Allez-y les gars, première salve, allez-y. Allez-y. Allez, hop, allez-y. À l'attaque. Allez-y les gars, allez-y. Courez. Allez toi le touffu là, vas-y. Non mais Waluigi, franchement, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord, t'es d'accord que... Pas pris, pas vu. Phil, ah oui, t'es allé voir, t'es revenu, putain, bien joué. Pour rentrer. Attends, je rentre. Ah, il les a portés. Moi aussi. Wow. Mais moi aussi, invisible, s'il te plaît. Merci. Moi aussi. Vous avez pas le droit. Bien. Ouais, la porte. C'est trop bien, ils sont invisibles. Merci, mon gars.
Merci, on est parti voir, merci beaucoup. Ouais, merci, merci. Y'a aucun souci. Merci. Allez, on est tout croque. Non, non, c'est vrai. Il est tout invisible en y allant. Attends, ça fait un coup, tu fais. Je vais venir, viens, on appelle. Il voudrait un peu invisible encore, s'il te plaît. Je vais aller voir. Mets-moi invisible, Philippe. Merci. Wilson, s'il vous plaît. Mademoiselle Wilson, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez bien les contenir? Ok. Vous pouvez les mettre. Donnez-moi leur nom aussi parce qu'ils me prennent pour un con depuis tout à l'heure. Je suis invisible, merde. Bah, si je peux. Mais non, mais. Oh non, mais là, c'est pas. Non, c'est du shit là. T'as pas le droit de faire ça. Luciole, enlève-moi du cachot. C'est pas RP, ouais. Dites à Luciole, celle qui m'a envoyé au cachot. Luciole, s'il te plaît. Mais putain, j'étais. Mais comment elle a fait pour voir là, putain? Ouais, ça, je suis sûr, elle a utilisé ses yeux super puissants. Oui, c'est normalement, elle a pas le droit. Ouais, pas le droit. Putain de merde. Je vais l'enfermer dans une pièce. Elle aurait pu nous enfermer avec une petite fille, ça aurait été marrant. Mmh. Ou un petit garçon. Allez, oui. J'ai fait la petite pub, les griffons d'or, ils vont perdre plein de temps. Nice, c'est bien joué, attends. Nous, on est en. Elle a voilà la cuisse. Normalement, c'est pas RP ce qu'elle a fait. Hein, salut toi, viens, entre ici, tu vas voir, il va te faire du bien. Mets ton entre les barreaux, tu peux mettre ton. Viens. T'inquiète pas, Phil, il va t'aider, ça va nous servir pour faire la clé. Allez, je prends là, je te. Prends, sors ta petite clé, allez. Attends. Allez, sors ta petite clé, allez. Voilà. Pourquoi tu t'énerves? Oh, elle est toute petite, ta petite clé. T'as aussi des petits porte-clés, c'est marrant. Bing, bing, bing. Ça fait du bruit. Oh putain. Coucou, tu veux voir ma petite clé? Il est pas là à 5 là pour nous. T'es Antiquitus toi? Non, non, moi je suis tranquille. Ok, je suis avec Phil là, on est au cachot. Ce serait bien que à 5 il vous. Je sais pas qui devait venir là pour nous libérer. Un genre de concierge. Arrête de t'énerver là! Oh! Petit! C'est dommage qu'il y a pas un. C'est la guerre! Trop le vache, je vais pas passer concierge encore. Merde. Toi, tu nous entends pas quand on parle, attends. Hein, tu nous entends? Je peux entendre maintenant, travers. Pars sur le côté, si je veux, comme ça. Des petites clés? Attends, y'a un glitch. Ouvre. Parle, parle. Ti benya safari di mama Zimbabwe. Hey ya moi. Attends, je vais voir si on peut faire. Ah, t'ouvre la porte et je te promets, tu vas voir ce que je vais te faire. Combien de temps on va 120 secondes. Ouais, merci, j'ai oublié de remercier à eux. Je sais pas s'il est encore là. Merci beaucoup pour le resub. Je te fais un check moignon parce que ça fait longtemps. Et il faudrait qu'il y ait un coup. Attends, je vais demander à Luciole de faire un coup. Attends, je sais quoi, je vais pas dire un RCRP. Ils sont. J'ai dit ça comme ça. Hein. Putain, c'est juste ça. Hein. Tu savais qu'il y avait un autre serveur Harry Potter aussi en Overbuzz? C'est pas celui où on allait avant. Ouais, ah, non, non, celui-là, non, celui qu'on a eu depuis le début, c'est celui-là. Après, on avait trouvé un autre serveur. Ouais. Qui était pas mal d'ailleurs. Mais je crois qu'on a été ban, je crois. Je sais pas si on se souvient. Faudrait que je regarde sur les. Moi, j'avais été banni, je crois. Ah, il y a Luciole qui dit bientôt. Bah, Lucien nous a dit de venir le week-end, comme ça, ça serait un peu plus vivant, il y aurait un peu plus de cours.
Mais attendez. C'est quoi ça? Rien ne vous empêche de partir. Oh oula, ça part en égo, non? Ouais, c'est moi, je leur ai dit, ouais, par contre, les events comme ça, non merci. Oh non, Phil, claquer ton event en frontal. Oh non. Il va le prendre en égo, tu penses? Ah ouais, là, ils sont pas bien. Ça plaît une majorité de gens. T'as des news de Greg? Oui, oui, la majorité, il a mis. Naïf. Greg, bien sûr, il est passé hier. Il était en intervention sur le live. C'est bien. Sinon, il n'aurait pas duré, mais c'était là. Qu'est-ce qu'on fait, Bakari? Merde. Ah, attends, on va aller faire les cours, on va attendre. Je comprenais même pas. Je vais faire les cours, je vais faire les cours. Pas vraiment. Regardez, il est en égo depuis tout à l'heure. Salut Nana. Il est pas là, Johnny. C'est Philippe en plus. C'est mon frère, Johnny. Ouais. Bah oui, je me suis trompé de mulet, putain. Je t'ai vu de dos. Oh, y a Sky. Ah, salut, toi. Ah, salut. Bonjour, madame. Viens là, viens là. Viens là, Chante, tu nous connais ou pas? C'est Bakari. C'est mon ami Goutam. Non, c'est quoi, non. C'est quoi ton petit prénom? Bah, viens. Problème. C'est pas au début, tu vois. Un préfet de Serpentard, alléluia. Ouais, enfin, on est beaucoup, non, quoi, elle, en fait, oui, j'ai pas entendu, je t'ai dit quoi, tu voulais voir mon serpentard, c'est ça? Oui, si tu veux. Tu peux te parler en privé ou pas? Ouh, en privé, t'as une douche, toi, hein? Petit. Bien sûr, oui. C'est bien, c'est le mec qui est en égo, vas-y, on va voir ce qui se passe. Le petit. Il y a un concept que dans privé, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, j'avoue, invisible, ouais. Ouais, bah non. C'est bon. Tu ouais. Peux nous mettre invisible, privé, je sais pas si vous connaissez. Invisible, invisible, s'il te plaît, invisible. Et moi bon. Et Bakari. Tu calmes, s'il te plaît, Osama. Merci. Parfait. Venez avec moi, venez avec moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà qu'on convite, hein. Mets-la-moi. Mais du vide. Ouais. Salut, dans le jeu. Vas-y, vas-y, cours, on s'arrête jamais. Les noms, s'il te plaît. Alors, pour l'argent, c'est Raphaël, je sais pas quoi. Oh, trop bien. Oh, la petite poucave. La petite poucave. Note bien, hein. Notez bien, les gars, dans le chat. Pour la menace de mort, j'ai pas vu, ils étaient trois. Enfin, il y avait un grand année qui. On va apparaître devant eux, non? Qui faisait rien, mais il y avait un autre. J'ai pas vu son nom. Il sait pas d'où ça vient, ce que. Rappelle-moi le premier du coup. Raphaël. Allez, calme. Oh non. Alors, comme ça en poucave? Pas mal, hein. Alors, Raphaël. Tu vas devoir t'expliquer, ma petite. Grosse poucave. Grosse poucave, tu trahines nos couleurs en plus. On va te faire une de ces réputations. Ouais. La réputation, la réputation que tu vas avoir, toi, dans les couloirs, on va pas te lâcher, toi, hein. T'as intérêt à bien t'esquiser. Tu balances, c'est ça, hein? Merci, Nérod. Bienvenue. Ouais, première fois qu'il s'abonne sur cette chaîne. C'est respectable. Enfin, Nérod. Putain, ça a mis du temps. Ouais, le petit préfet, tu plais, hein? Tout ça parce qu'il est en 7e année. Il l'a bien dur.
Alors, t'as plus rien à dire maintenant. C'est plus facile de poucave. Faites pitié. Ah, il m'a envoyé. Oh, oui. Ah, moi aussi. Attends, on va regarder. Ouais, prends le nonos. Attrape ça aussi, du coup. Il y a une menace, un pas de travers ce soir, ça dégage directement. Quoi ? Oh le vieux mec. Ouais, c'est sûr de Galion, on va. Elle a dit que c'était des serpentards qui l'avaient menacé de mort. Pas idée, il y a pas de petit bénéfice. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, attrape le nonos. Bah alors, hein ? Ouais. Ça prend ta de bouffer, toi. Ce qui met en jeu. Ça balance les noms. Vous voulez voir hibou, les serpentards, s'il vous plaît. C'est déjà le plus, rien à voir là-dedans. On n'a rien à voir là-dedans, nous. Non, mais ouais, pas, on n'a rien à voir. Vous savez que... Par contre, petite Sandra... On est juste des oreilles. Il y aura des représailles, toi, hein. Je te défonce maintenant ou j'attends? Si vous voulez. On va voir si tu l'ouvres autant. T'as une grosse baguette, toi. Ça lance des menaces devant sa petite femme. La balance, ouais. Il va partir en égo, non? Attends. Foutez-les, non? Toi, par contre, je récupère. Ego ticket. Ego ticket. C'est à cause de Nana, il me prend tout mon fric. Ah, Nero, t'es un de tes fidèles. Mais il t'a donné le. Merci, Boots. Merci, Boots 67 qui s'abonne pour la première fois aussi sur ce live. D'accord, Nana. Autre chose que des perspectives. Ah, bah merci de les ramener, hein, les ultras de chez Nana. Oui, Vito, ouais. Merci, Nana. C'est qui cette meuf, Racine? Éloignez-vous. Oh, enchanté, c'est qui cette petite blondinette? Elle est jolie. Vous êtes jolie, mademoiselle. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bakari. Je suis étudiant de Serpentard en troisième année. Et vous avez vraiment beaucoup de charme. Monsieur, quoi? En bref, moi, je vais m'appeler Sandra parce que je suis une grosse balance. D'une meuf. Il y a quoi, ok, avec nickel. Viens entrer, monsieur le directeur. Je m'appelle Sandra, okay, je suis une grosse balance. Vous voulez aller? T'es la meuf derrière? En jupe, enfin en robe. Ok, on garde la porte, Enchanté, moi je suis en quête. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi ils sont fermés? Monsieur le directeur à l'intérieur, personne n'est autorisé à rentrer. Il y a monsieur le directeur. Et il veut quoi, le faillot, là? Excusez-moi, excusez-moi. Non, vous n'avez pas autorisation de rentrer, même les professeurs, il a été très clair à ce sujet. Elle a des sacrés atouts, elle peut faire ce qu'elle veut. Allez, montrez un atout, un de vos atouts, mademoiselle. Préparez mon cours. C'est madame. Du coup, il faut le préparer en classe numéro 2, on n'a pas autorisation de rentrer. Écoute-moi, petit guignol, laisse-la. Non, vous n'entrerez pas. Mais c'est qui ce Six-Man là? T'es qui toi? T'es un élève, alors ferme ton bouche là, allez. Voilà, merci madame, allez on entre. J'ai pas le cours. Je suppose. J'ai le cours. Un poil sous la gabardine. Elle a rien mis en fait. T'es un bâtard. Où vous avez un joli regard, madame? C'est bon, c'est ouvert, on y va. Merci. On se dépêche. Let's go. S'il vous plaît, on essaye de rester coupé à la porte. Ah, enfin, putain. T'es qui toi? Les ultras, go rejoindre nos rangs. On enverra des premières salves. C'est pas de ton côté, bouge. Ah oui, mais il y a un côté. Bah oui, il y a un côté. Vas-y, là, on se met là, vas-y. Bah, toi, t'es au fond de la classe, là-bas, tout seul. On est où, nous? T'es dans la place, il sert à rien, là. Merde. Chaque fois, je galère. Tu galères tout le temps, c'est quoi? Mais là, t'es assis, là. Non. Ouais, mais comme tu madame, si on est griffondant, on doit s'asseoir. Vous vous installez où vous voulez, je n'ai pas de prérequis. Voilà, venez, 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 pas ça. Non, vous levez, dépêchez-vous. Vous voulez, madame? Oui, mais j'étais en train de dire justement qu'on ne s'installe pas là. Je m'en fais, je peux vous installer, pas besoin de vous varier entre maisons. Pas de soucis. Oh, si c'est elle la prof, on va se régaler. Hein. Je crois qu'il y a une nouvelle. Nous sommes un petit peu par en avance. Par contre, ça se voit pas sur la table. Si je me trompe pas. Oui, effectivement, s'il vous plaît, monsieur Serpentin. Je m'appelle Bakari. Je m'avais pas appelé bien. Excusez-moi. C'est pour ça. Excusez-moi, oui, madame, je voulais juste savoir, vous êtes professeur de quoi? Parce que je crois que c'est la première fois que je vous rencontre. Je suis professeur apprenti. Ah, vous n'êtes pas titulaire, mais c'est pas grave. Vous êtes très séduisant, en 4-4-3. On est légèrement en attaque. En 4-4-3 en attaque. Aubameyang en attaque.
Il nous reste combien de temps là avant le début du cours, si je me trompe pas, je vais elle est chaude, hein. Elle est grave chaude, hein. Ouais. Oh là là, il nous reste 20 minutes. 20 minutes. Elle a une petite voix, hein. Je vous autorise à chuchoter, bien sûr. Je ne veux pas vous entendre. Vous chuchotez entre vous en attendant. Je ne veux pas de cris, s'il vous plaît, vous chuchotez. T'as vu, Bakary, la preuve, elle est beau. Ouais, elle est... Je suis disant que l'espèce ouais, de jolie, gros hein. Boudin qu'on a derrière nous, là. Tu l'as vu, le boudin avec lui. Ah oui, je vois sa ça, tête. Je même pas, par contre, la prof. Regarde. La prof, elle est over bonne. Elle est moche. Quelle elle est over chum. Regarde comment elle est dégueulasse. Comment elle est chum. Regarde, elle sait même pas répondre tellement elle est moche. Oh, pouvez-vous la voir. Regarde, elle a un bouton, elle a une moustache, elle a un bus. Parce que si je me déplace, je t'arrache les couilles. D'ailleurs, je vais faire un. Ah bah, y a pas de problème, avec grand plaisir. Alors, elle a une petite voix, elle a une petite bouche, hein. Elle ne sert pas qu'à faire des choses, hein, pas très catholiques. Ça fait plaisir. Avec son duvet au-dessus de la bouche, hein, Super Mario. Oui, bon, le Hitman qui est en train de parler, mais personne. Regarde, il est parti balancer. Il est parti balancer. Un peu de ta bouche, la prochaine fois. Vous savez, vous faites face au direct. Vous faites face. Il a pris la première. Dommage, Phil. À plus tard. Pour ceux qui ne le seraient pas, monsieur derrière moi, directeur de cette école, donc bon, essayez. Faire bonne impression devant votre directeur. Devant votre directeur. Essayez de changer de place, Madame Carlum. On la recharge ou pas? Allez, elle revient, elle revient. Mais alors, on balance et ça marche pas. Alors, cette vilaine moustache, t'es une vilaine. T'es une vilaine. T'es une vilaine. Alors, pourquoi t'es grise de la vie? Allez, dégage maintenant. J'imagine même pas la gueule de tes serviettes hygiéniques. Madame, j'ai une question à te poser. D'accord. On va se voir à la fin du cours, toi. Hein, tu vas voir. Quel sort pouvez-vous me faire apprendre aujourd'hui? Mais je chuchote, madame. Derrière, elle nous importune. Bien, monsieur, je vais vous demander de vous taire. Tu changes de place. Arrête de faire ta voix de chaudasse, là. Ferme ton gueule, maintenant. Je vous laisse vous installer. Ferme ta sœur, merci. Ma sœur. Hygiéniques, elles doivent peser au moins 2 kilos. Mettez-vous le plus devant possible. T'as fait le caca un peu. Laisse-moi tranquille. Mais que je n'ai plus de voix à la fin. T'es pleine de pertes blanches. Exactement. Tu vas voir, je vais te terminer comme Never tout à l'heure. Je vais vous faire une petite devise. On va t'exciser. De commencer le cours. Je t'attends. On va t'exciser en bonne et due forme. On a tous les outils. Tu vas voir. Comment voir la petite, le petit raisin là. On va le couper le petit raisin. Ce stylège sert à cool, on s'assoit s'il vous plaît. C'est un quelque chose c'est un au ouf. Sol. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? T'es tellement dégueulasse, même tes tétons peuvent loucher. Allez, on la main. Je suis sûr que tu louches tes tétons. Ne soyez pas timide. Ouais, de ouf. Vous là-bas, jeune fille, la serpentard. Toi, tu sais pas dans quoi t'as mis les pieds là. T'es pas là bien couché. Aujourd'hui, nous allons te colochou. Le marque au tableau, bougez pas. Regarde, ils vont apprendre colochou, ça pourrait peut-être te servir. Avec mon col aux cheveux, espèce de cracheuse. Bien. Cool. Du coup, cool. Là, je crois qu'elle envoie un ticket. Je suis pas bien là. L'excision, ça peut. C'est peut-être bonne perte, non? Non, pas pour ça. Bien, des chaussettes. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle allait te tuer, elle a fait des menaces aussi. Est-ce que quelqu'un peut-être me donner. Oui, bah, attendez encore 5 minutes. Attendez encore 5 minutes. Oh, ils ont ban Phil? Hein? Est-ce que quelqu'un potentiellement serait me donner l'autre prénom du sortilège? Banni à vie? Et non l'incontournable. En tout cas, il a pris un ban. Hein. On s'assoit, s'il vous plaît. Personne à part battant des madame demoiselle. Hein? On va essayer d'interroger quelqu'un d'autre. Oui, monsieur là-bas. Le ah ouais. Qui... Oui, je dirais le maléfice du protocole. Effectivement, le maléfice du protocole est le nom qui est Colochou. Et son incantation est Colochou. Colochou, c'est vraiment le Est-ce pire que truc qu'on apprend, putain. Ouais, c'est vraiment le truc pour les losers. Ouais, il sert vraiment à rien. C'est vraiment le même niveau que l'humos, là, ça, les sorts qui servent à rien. Ah, oui, monsieur, là-bas. C'est pas tout, monsieur le serpentard. En fait, si j'ai bien compris, dès que t'as un professeur apprenti, il sort des sorts d'apprenti, des trucs nuls. Vous oui, on va lui dire, on va lui dire, attends. Ah, elle a fait un ticket, les gars, désolé de vous le dire. Est-ce que quelqu'un d'autre sait peut-être... Elle est le type je suis dans la merde. De ce sortilège. Je suis dans la merde. Oui, moi. Qu'est-ce que tu veux? Elle est partie en monsieur.
Bah, j'ai demandé à monsieur Garcia, je crois. Eh les gars, je vous appelle en témoin pour dire que j'ai rien fait, ok? Tout le monde est d'accord. Il est 23h, t'es sûr, c'est ça? Tout le monde est d'accord. Vous êtes tous avec moi. Vous êtes tous avec moi. Madame la professeure? J'ai entendu ce qu'elle a dit. Ouais, ouais, appelle-moi. C'est normal que le sort soit du Lumoustière, j'aime pas ça, moi. Parle pas sans lever la main. Du coup, parfait. Je répète, ce n'est pas un enchantement. Est-ce que quelqu'un d'autre me proposait quelque chose d'autre? Oui, monsieur. Là, monsieur, oui, vous, vous levez. Vous voulez parler de quoi? Du Kolochou, les mêmes sorts qui servent à rien comme le Lumos? Oui. Alors, le Kolochou, ça sert à coller les pieds? Non, je parle du type de sort. Je rappelle, il y a. Lumilus. Mulimus Mucugus, c'est ça? Vous vous taisez. D'accord, mais parlez quand même bien, s'il vous plaît. Respectez un peu. Je rappelle que vous êtes qu'une suppléante quand même. Non. Par contre, vous manquez pas de respect à une professeure comme ça. Oui, d'accord, désolé. Je pense que c'est un sort de type maléfique. Merci. Ah bon? Alors, votre camarade a dit tout simplement oui, je vous écoute. Que le sort d'elle était un type, et le type était tout simplement un maléfice, effectivement. Est-ce que vous saurez potentiellement me dire quel est un maléfice? Je suis prêt à donner 50 000 galions à celui qui me retrouve une de ses culottes sales, les gars. Madame? Oui, je boirais bien l'eau de son bain. Bon, c'est bon, on n'a pas de marquage à la culotte, là, on est tranquille, on peut y aller. Ouais, l'autre, j'ai vu, elle est revenue. Oui, donc, un maléfice, c'est un sortilège qui contient une dose de magie noire et qui altère radicalement les défis psychiques d'une personne et c'est contre sa propre volonté. Madame? Oui, monsieur le bof. J'essaie de lever la main, s'il vous plaît, oui. Vous posez une question, c'est ça? Effectivement, j'ai dit qu'elle est un maléfice. Elle est mignonne quand même, cette prof, j'aime bien. Un maléfice, c'est... J'ai chuchoté, je vous assure. Madame, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Ça bug, regarde, ça bug, elle n'arrive pas. Madame, non. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Oui, du coup, vous disiez, monsieur le boss. Non mais attendez, c'est un glitch. C'est un con, quoi, lui. Non mais attendez, monsieur, vous avez mis mon frère. Vas-y, je bouge pas, je reste ici. On va le récupérer. Moi, je trouve ça inadmissible, monsieur, quand même. Yes, ça marche. Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous mettez vos lèvres sur ma tête? C'est lequel, madame? Moi, je n'arrive pas. Vous pouvez arrêter de me harceler, de me frapper? Ok, j'ai été envoyé au cachot alors que j'ai rien fait. Ils sont mis à deux. Oui, comment tu vas, Hélène? Tu en as... Il doit pas dormir, lui? Oui, papa, il a fait froid. Il fait froid dehors, hein? Oui, il a fait froid à la porte. Ah ouais, il fait froid. Ouais, bisous. Bisous, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. T'as vu, j'ai vu, j'ai la... Il revient à l'école. Bah oui. Oui, attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Je te prends un ticket par rapport à la Serpenta qui était assise derrière toi. Ouais, elle est là, elle va arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à me reprocher? Elle a fait un ticket contre toi et Gautam. Ouais, pour. Je vois ce que. À peu près, pour peut-être des chamailleries, ouais, on était juste. Elle est de la même maison, oui. Alors, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, il y a des propos qui n'ont pas sa place sur un serveur Gmod. Notamment, parler de tout ce qui est d'excision, etc. Pardon? D'excision. Ah non, on a dû confondre. Hein. Ouais, non, loin de moi l'idée de. Non, quand même pas. Pas non plus. Pas non plus abusé. Non, j'ai pas. On a parlé de tout d'exécution, etc. Alors je sais pas, non, sur ce thème, oui, certainement, parce que moi, c'est loin de moi l'idée de prononcer ces mots-là, qui sont assez. Non. Mais autre chose, mais j'avais plus en tête, parce que moi, je suis déjà passé sur une autre scène, en fait. J'ai plus en tête. Ce que j'ai dit, mais pour ça, non, elle a dû confondre, certainement. C'est Gautam, peut-être. Ah non, moi, je sais pas, j'ai pas entendu, parce que moi, j'étais concentré sur le cours. Juste à un moment, elle a commencé à perturber, à nous prendre de haut, parce qu'elle était derrière nous.
Et je lui ai répondu et après j'étais très concentré sur le cours. Je suis en train de les supplier de me mettre au clos, ils veulent pas. Il a dû confondre avec le mot exclusion, je pense. C'est vrai que c'est deux termes qui se ressemblent, mais peut-être, je sais pas pourquoi elle dit ça. Elle est là ou pas? Elle nous entend? Elle est au cours là pour l'instant. D'accord, ok, parce que ouais, j'aimerais bien suivre le cours, j'étais à fond en plus. Ouais. J'ai vu ça. Deux. Goutam. Il y a le modèle qui va casser les couilles pour l'excision. Okay. Il va te casser les couilles, ouais. Qu'est-ce que je... Bonsoir. On dit qu'on l'a pas dit. On fait ouais, bonjour. Ouais. Tu peux me. Fais ça. Vas-y. Si t'aurais pas entendu parler du terme d'excision par hasard pendant le cours. Comment? Ouais, il a... c'est une blague là. Ouais, c'est un peu abusé. Il a dû confondre certainement, je pense. Elle est sortie de son personnage. C'est sérieux? Excuse-moi, Bakary, je te. Ah, pas de problème. C'est quoi en fait l'histoire là? Je comprends pas en fait. La serpentard qui était assise derrière vous se plaint de propos inadéquats. Tu dis exclusion, exclusion. Attends, mais celle qui faisait des menaces de mort, etc. là? C'est elle qu'on parle, Bakary? Ouais, ouais, celle qui était derrière en train de se foutre de nous et. Bon, écoute, moi, c'est bon là. Tu sais quoi, je commence à en avoir assez avec les gens qui se plaignent et qui font des faux tickets. À ce moment-là, tu fais venir tous les gens du premier rang et ils te diront que rien n'a été dit, hein, que c'est elle qui profère des menaces de mort. Je sais pas ce qu'elle. Elle nous a même parlé de ses serviettes hygiéniques. J'aurais pu envoyer un ticket pour ça, je l'ai pas fait. Donc, au bout d'un moment, faut que ça se calme. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Tu peux appeler tout le monde en témoin. Moi. Je suis désolé, qui aurait parlé d'excision? Ça n'a rien à faire dans Harry Potter. Non, mais... Si, on a dit juste qu'il y a mérité une exclusion. Une exclusion, mais elle a peut-être dû, ça a dû peut-être oui, triper bah, dans son. Mais... mais après, une exclusion, oui, ouais, c'est non, sûr, c'est certain, après ce qu'elle a fait, ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on va à la TP puis on va voir ce qu'elle a à nous dire. D'accord, ouais. Ouais, parfait, ouais, j'ai hâte de voir. Ce qu'il met? Ce que tu mets? Ah bah, péter un câble, faut qu'on tienne sans trembler du menton. Hein. Vas-y, vas-y. Ça va être chaud. Oui, c'est bien, je le reconnais. Tremble pas, les gars. Donc, il y a les deux personnes donc, qui étaient avec qui tu as eu des problèmes, a priori, qui disent qu'ils n'ont jamais parlé d'excision. Ah bon? Vous êtes sûr? Bah oui. Et selon eux, tu aurais confondu, a priori, avec quelque chose d'autre? Avec elle parle ou... je l'entends pas. Ouais, on t'entend pas bien, ouais. J'aurais confondu avec quel mot? Exclusion, peut-être, à un moment on a parlé de ça, mais... Ok, alors, laisse-moi genre 2 minutes 30 et je te dis exactement ce que t'as dit, ok? Pourquoi? T'as un rec à ce moment-là, ça? Exactement, j'en ai un. Voilà. Bah, ah, donc, d'accord, donc tu nous... Non, attendez. Donc elle enregistre, d'accord. Dans la merde. Dans la merde, je veux juste préciser une certaine chose. Ah merde! Si jamais il y a eu du mensonge de votre part, Bakary et Goutam, c'est un bon perme, d'accord? Pardon? Si jamais vous voulez changer de version, je peux tout à fait comprendre. Non, non, faut pas changer maintenant. Je suis obligé de tenir. Ouais, vas-y. Non, non, moi j'ai rien à changer. Donc vous maintenez votre version. L'altercation, oui, de toute façon, l'altercation, c'est même... je sais même pas pourquoi Bakary est là, parce que j'étais il y a que moi. Donc, et je suis prêt à faire venir tout le premier rang pour témoigner, moi. Ouais, parce qu'elle a quand même, elle a pas arrêté à chaque fois de faire des remarques. Mais et tout. Sincèrement, Bakary, il peut être renvoyé, hein. Je vais être honnête, Bakary, là, il a rien à voir dans l'histoire. Tu m'as fait des menaces de mort, donc à un moment donné, les en menaces de mort n'ont rien à faire dans le RP, non, Harry Potter, je suis désolé. Le début est RP. Comment? Pas top. Alors, tu pas top. Parle près de ton micro, par contre. Avec Bakary, pareil, si on vous l'a laissé. Oui, mais je veux bien, mais elle envoie des accusations calomnieuses, en fait. Donc je disais, au début, j'étais vers mon livre, tu m'as comparé à la prof. Ok, c'est RP, je m'en tape. Mais au bout d'un moment, ça commence à faire lourd. Tu vois ce que je veux dire? Je peux répondre? Ça me va? Vas-y. Ou... Merci. Alors, excuse-moi, mais quand je m'assois et qu'on commence... Parce que je joue, des fois que tu saches, je passe à Lazare. Je joue un perso indien, donc dès que je suis arrivé, elle commence à elle faire bluff. Des allusions, genre hein, ça sent le curry, elle bluff, va faire des nanes avec tes pieds ou je sais pas quoi. J'ai pas parlé. Hein. Je préviens, j'ai pas parlé. T'as jamais dit que je devais faire des nanes avec mes pieds? Non plus. J'ai jamais parlé. Je t'ai jamais parlé. Bah, c'est pas la peine, alors. Bon, y a pas de soucis, j'envoie le rec, du coup. Je suis dans la merde. Bah, on voit, moi je suis au courant de ce que j'ai entendu. Y a pas... Moi je serais bien curieux de le voir. Hein, parce que...
Moi, sinon, il y a beaucoup plus simple, hein. On fait venir un témoin et puis voilà. Par contre, je vais devoir te couper en plus de partie parce que du coup, je peux pas m'envoyer d'une traite sur Discord. Sauf si je peux te le stream. Tu vas dans un canal sur le Discord. Ah, parce que tu stream tous les propos que t'as tenus en plus en direct là, tu les as streamés. Alors, attendez. Bakary, s'il te plaît, merci. Non, mais je le stream sur Discord. Lilith, pareil, s'il te plaît, merci. Donc, si jamais il y a eu des menaces de mort, Lilith, de ta part, tu seras sanctionné. Je te préviens, puisque ça n'a rien à faire dans un poudlard, surtout bluff, entre 10 et 17 ans. Il n'y a pas de menace de mort. Sur Discord, ouais. Mais je vais essayer de dédouaner des fois. Comme s'il y a eu des propos liés à l'excision et qu'en plus vous m'avez menti en site, pareil, il y aura des sanctions, d'accord? Oui, oui, non, mais moi, je suis tout à fait. Mais je le répète, hein, Bakary, je joue un peu avec lui, mais là, il a rien à voir dans l'histoire. Je sais même pas ce qu'il fait là, autant qu'il est que moi. Parce qu'elle m'a mis, tu m'as mis là-dedans, là, pourquoi en fait? J'aimerais bien savoir ta raison en fait, Lilith. Je vous ai mis dans le même panier. Vous êtes ah, bah ensemble. Voilà, tu vois, tu mets dans le même panier les gens, il faut savoir discerner quand même. Ça, c'est pas ça. Et bah, si elle a arrêté, je vais faire le tri, vous en faites pas, je vais voir qui a dit quoi. Dans le canal besoin de staff. Oh la putain. Elle dit qu'elle a eu streamer le clip sur Discord. Elle peut rec les 3 dernières minutes si elle a Nvidia replay. Bon, bah. On va voir, hein. C'est le bluff qui est pas passé là, hein. Tu penses? On va voir, hein. Je pense que ça se trouve. Ah, non, il y a Bandef, moins sûr en tout cas. Toi, je vais essayer de te dédouaner le dernier mot jusqu'au bout. On va voir. Il n'y a pas un humeur, on a des doigts. C'était drôle, rip. Je pense ouais. que l'excision, genre, je pourrais pas le. je pourrais pas le. le justifier dans le RP, là. Si, attends. Faut trouver une idée. À pas mettre les serviettes hygiéniques qui pèsent 2 kilos, parce que ça va loin dans le dossier. Putain. Il y a pas faut miser sur le fait qu'elle est un mauvais micro, qu'on n'entend pas bien l'excision et que c'est exclusion quoi parce que ouais faudrait ça ouais mais je suis pas sûr que ça passe pourtant ouais non pas je voyais parce que t'as ripé quoi, t'as pas eu une bonne diction à ce moment-là donc t'as dit exclusion ouais. Ouais j'ai dit exclusion un truc comme ça en fait j'ai bugué ouais. Ça doit être ça. Non, je suis désolé en tout cas, Bakary, que tu sois mêlé à ça. Hein. Ouais, non, mais après, c'est pas de ta faute, hein. C'est elle qui m'avait dans le même panier, malheureusement. C'est pas. Faut que tu saches un peu discerner, hein. Faut pas que tu rendes. Comment dire, tu sors de ton personnage, Lilith. Ok? C'est des choses qui arrivent quand on joue une scène. J'ai senti qu'elle prend ça pour elle, alors que ça pourrait être. Tu sais, c'est destiné à son personnage, là. Attendez, je suis en train d'écouter le stream pour voir. D'accord, ouais. Ok, je suis mort. Pour savoir s'il faut voir le clip. Putain, mais pourquoi faut qu'il rec? Qui pense à rec? Non, mais je te jure, gros, mais qui rec sur Gmod? Ah, peut-être. Ah ouais, parce qu'il y en a peut-être qui sont rongés sur Harry Potter. Plein de fois, c'est, tu vois, des fois quand elle veut justifier un truc, quand elle fait un ticket, tu vois, elle dit voilà, du coup, il rec, je pense. Sinon, jamais, hein. Ouais, mais nous, quand on a des recs, ça fonctionne. Demander jamais, la preuve, sinon, c'est pas légit, ouais. J'avoue, on peut demander la preuve. Bah, il faudrait quand même qu'on écoute l'extrait. Ouais, Salazar, si je peux, on pourrait peut-être la voir aussi pour voir un peu. Des fois que ça a été modifié ou quoi, juste je veux pas faire le mec complotiste ou quoi. Mais... Quand on a l'extrait, je lui demande de cut et okay. Je vous l'enverrai. Merci. Ok, merci beaucoup. De toute façon, je pense qu'il va même pas me l'envoyer, il va me ban direct. Est-ce qu'on va assister, chers viewers, en direct le ban de Gutam? J'ai peur que ça déteigne sur toi, c'est ça le problème. Non, au pire, on a vécu des très bons moments. Ouais, puis il y a un serveur en overbuzz, au pire. Ouais, un autre serveur, au pire. Tu vois, éteint les studios étrangers et confond les mots. Ah, pas con. Ouais, mais... Ouais, enfin, je peux toujours le placer, mais... J'ai nié jusqu'au bout, quoi, donc... Mais non, on peut rien faire, Balgrim, arrêtez, c'est pas la meilleure solution. Il lui demande de cut, c'est cocasse. J'adore ces instants de VAR là. En même temps, des fois qu'ils l'entendent pas bien. Hein? En tout cas, Bakary, je suis désolé que ça dure aussi longtemps pour toi, ça te ruine un peu ton RP. Ouais, parce que j'étais en plein cours et j'aurais bien voulu assister à la fin, quoi. Parce que je sais qu'il y avait le sort qui est donné, quoi, malheureusement. Bah ouais, en plus, c'était le col au chou. Moi, ça m'intéresse pas mal le col au chou, donc. Ouais, ça me semble, on fera ça. Ça me semble, on fera ça, ouais. Enfin, encore, moi, c'est justifié que je sois, mais toi, en fait, je comprends pas pourquoi t'es là. Bah après, si t'es bonne, la question se pose plus, mais on va voir. Oui, non, mais...
Non, mais tu seras pas ban, pas pour ça. Pas pour le prendre comme ça. Pas pour ça, pour exclusion, pour un mot comme ça. Ça, c'est qu'il a déjà vu. Ça, c'est qu'il a déjà vu le début. Ah ouais. Ça va être sanguin, ouais, je pense. De toute façon, il peut pas, il est obligé d'être impartial, il peut pas prendre parti après tout ce qu'elle a dit aussi, son, enfin son personnage, je parle, hein, bien sûr. Là, je pense qu'il en est au niveau du V moustache et qu'il va découvrir le poteau rose, là. Pas pour un mot, quand même, les gars, non, on est d'accord, il signait là. Putain, ces instants rares, ça me rappelle l'image quand tu regardes ça à la télé, ça met tellement de temps, c'est frustrant, quoi. En plus, on peut pas avancer. Moi, je dois attendre, je subis, là. Ah oh, non, non, putain, dommage. Je son propre rôle. Il va se faire un instant. S'il m'annonce un bad, comment je fais? Je joue le mec en égo. Je joue le mec. Je vous fais quoi, les gars? J'ai envie de pleurer. Je fais quoi? Vas-y, non, 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 mais supplie. Ouais, supplie. Supplie, il faut que Luciel vienne. Luciel, comment Luciel? On l'entend plus. Luciel, tu vas venir nous aider sur ce cas? Ah, je vais le prendre en bouche. Vas-y, je le prends en bouche. Qu'il parle pas en égo. Ouais, excuse-toi en mode shelling. Ouais, ouais, full fragile. Full donc, fragile, ouais, je mérite pas un ban def. Tu dis, ouais, je veux bien prendre une sanction et tout. Mets-moi une semaine, s'il te plaît. Je mérite pas ça, ok. Ouais, tu dis que j'ai bâti un truc de fou. Tu t'es laissé emporter, voilà, tu dis ça, ouais, ça arrive de ripper. Et tu dis, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est juste que voilà. Ah oui, y en a un qui m'a rappelé qu'elle a menacé de m'arracher le prix. Du coup, j'ai visionné le stream. Ouais. Mmh. De Lilith. Mmh. Donc on a Bakary qui dit je vais t'exciser en bon et du forme, on a les bons outils. Non, ça m'étonnerait. Par contre, elle a menacé d'arracher les couilles, on est d'accord. Alors, attends, mais ça, je m'en fous pour l'instant, c'est pas la question. Bah si, parce que... Non, non, mais... Ah si, moi c'est ta réponse, ouais. De vous, Goutam. J'ai pas compris, là, tu as dit Salazar. J'ai dit, pour l'instant on parle de vous et on parlera du Kalinit juste après. Okay, ça me fait ça, je suis désolé, ça me fait trop rire. Et pour toi, après, tu comment mais tu dis qu'en effet, vous allez l'exciser. Non, je pas ce terme-là, exciser, je ne pense pas. C'est entendu clairement. J'ai bien entendu clairement, pas, attends, parce que je vais écouter l'extra. Tu peux me le faire écouter via le. Parce que ça m'étonne un peu quand même. Bah, il me semble que tu stream, donc tu peux récupérer, je suppose, Bakary. Ah, ah stalking. Comme ça, ça stalk alors. Je commence ouais. à comprendre le truc là. Je commence à comprendre l'acharnement maintenant. Je comprends un peu le truc. Ah oui, d'accord. Donc c'est, là, c'est ciblé là en fait. C'est une chasse aux streamers. C'est une chasse aux streamers. Bah, c'est une chasse aux sorcières. Pas que ça va faire de chasser les streamers. Bah, la preuve que si, vu que tu viens de dire ça. Comportement et de votre vocabulaire, vu que je vous rappelle que l'excision, c'est pas. Elle a quand même menacé de m'arracher les couilles. Oui, arrachage de couilles. Pays, j'ai pas parlé. Émasculer un homme, c'est exactement pareil. Et pourquoi il. Pourquoi il m'a jarté, il m'a mis. Ah ouais, d'accord, ça stalk H24, mais c'est incroyable. Merde, il m'a. Je suis bloqué, je peux pas écouter. On va voir. Émasculer, c'est pareil. Hein. Il t'a mis où là? Il m'a mis dans le coin et je suis bloqué, je peux pas venir vers écouter. Il m'a bloqué. Je vais faire le suceur, là, je vais tout tenter. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai été écarté alors que je suis en train de parler. Parce que c'est juste en train de m'entretenir avec Goutam. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer à Goutam, c'est qu'en effet, elle sera sanctionnée à juste titre, elle aussi. Mais vous allez l'être un petit peu plus, vu que vous avez délibérément menti. Comment ça, menti? Bah, vous avez nié avoir parlé d'excision, il me semble. Oui, mais quand bien même, et alors, et c'est pas ça le truc. Nous, à la base, on jouait une scène, etc. Venir chialer rien que pour ça, pour ce excision, alors que derrière. Tu dois pas te rendre compte ce que c'est l'excision, ou quand tu dis à quelqu'un, bon, là, en l'occurrence, c'était mais... ton pote, t'es pleine de pertes blanches, je me demande comment sont tes serviettes. Tu sais pas ce que c'est. Mais, en fait. Mais si, mais je sais très bien ce que c'est, je suis africain. Et je sais très bien, je l'ai déjà vu, enfin, j'ai pas, moi personnellement, pas, non, mais. Je connais des personnes qui l'ont vécu et je sais ce que c'est. Donc, et c'est quoi le c'est quoi? Qu'est-ce que ça va avoir là-dedans? Donc, on peut pas avoir d'humour, on peut pas rigoler là-dessus, justement, pour prendre en dérision la chose. Pour toi, c'est cautionner carrément. S'il te plaît, à un moment, il faut savoir s'élever, hein. S'il te plaît. Ah ouais, mais là, je comprends pas pourquoi, sur des termes, des fois, un peu mal, etc., on peut pas en rigoler, quoi.
Aujourd'hui, je vous assure, les gars, on s'insurge pour de la merde. Que ce soit des trucs, justement, la meilleure façon pour faire passer la pilule, des fois, c'est vraiment de prendre du recul et des fois d'en rire, quoi. Je ne comprends pas. Alors que au final, le truc, quand on le dit comme ça, on rigole. Enfin, les gars, on pense jamais à la personne dans la vraie vie. Ouais, on va t'exciser. C'est, faut le voir comme, voilà, comme une vanne et une connerie à la con. Voilà. En plus, l'excision, les gars, c'est juste une pratique, quoi. Et on sait très bien qu'ils veulent ils nous prennent pour des. Enfin, en ayant cette mentalité, c'est comme si on te prenait pour un con, pour un gamin, pour un enfant, en disant, ah, hey, c'est pas bien ça. T'as dit ça, c'est pas bien. Oui, bon, mais voilà. Vu que goûte à ma crache, Bakary, je te fais revenir. J'aimerais revenir là-dessus parce que pour. Un bannissement. Pardon ? Non, mais ça sert à rien de poursuivre le sujet, on est en train de le régler. J'ai dit que Lilith allait prendre une sanction, donc un award, donc c'est un avertissement écrit ainsi qu'un bannissement pour ses propos qui n'ont pas leur place sur le serveur. Donc elle sera bannie, c'est ça ? Oui, elle va être bannie. Mais la durée est bannie comment ? Combien de temps ? Un jour, pour ses propos, vu qu'elle a assumé, contrairement à vous. Mais elle a assumé quoi ? En quoi elle a assumé ? Moi j'étais pas là, moi tu m'as switché. Elle me l'a dit. Ah mais moi j'étais pas là moi. Donc pour Gautam, il va prendre une sanction aussi. Toi Bakary, je vais être obligé de te sanctionner aussi. Bah oui, bah. Sanctionne, il n'y a pas de problème. Moi je prends ma sanction, il n'y a pas de souci. Mais juste pour dire, Lilith, sur un terme comme ça, pas prendre de recul et voir ça comme si tu es ça dans la vraie vie et tu fais un parallèle sur ce qui se passe et la souffrance de ces femmes, ça c'est un peu. Tu sais que les propos que tu tiens peuvent avoir des répercussions sur les gens. Même si c'est moi, je m'en branle, certains ne s'en foutent pas. Tu tiens des propos, tu sais même pas, tu t'en rends même pas compte visiblement. C'est grave. Mais bien sûr, je m'en rends compte plus que toi, puisque je sais de. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais. Que ce soit utile de poursuivre la. Je sais exactement de quoi je parle. En fait. C'est juste que moi, j'ai un recul là-dessus et je comprends très bien la manière d'en parler et d'avoir et d'en rire et justement d'en rire d'une manière voilà comme une autre, etc. Et d'en parler, ben justement, ça éveille les consciences contre parce que. Quelque chose que tu ne peux pas te permettre en fait, non plus. Donc même c'est pas toi qui a le monopole de ce que je dois dire, ce que je dois pas dire en fait, parce que tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais on est quand même en France, il y a une liberté d'expression, enfin. Et que j'ai pas besoin de te mettre au coin. Non, mais je m'excuse qu'elle me parle, donc je réponds, par contre, ouais, tu me permets. Et bah dans ce cas, on peut s'arrêter. Comment ça, on peut s'arrêter ? Parce que le problème est réglé. Bah non, je discute, il y a pas de problème ou quoi que ce soit. Là, je pars hors dehors du problème, je suis en train de discuter, de débattre d'un truc. Oui, mais je pense que tout le monde perd son temps et aimerait bien retourner à ses affaires. Bah non, on perd pas son temps, je lui réponds simplement, parce qu'il est en train de me parler d'un truc, je suis simplement en train de lui dire qu'en France, ou même dans la vie en général, je sais pas, elle n'a pas le monopole de dire oui, ça c'est bien, c'est pas bien, quoi. Là, elle sert. Je pense qu'on peut s'arrêter aussi. Donc je vous ai laissé la possibilité de me dire la vérité, vous l'avez pas fait, Bakary, tu peux me dire pourquoi ? Si t'as un argument par rapport à ça. Non mais bon, fais ce que tu veux, fais ta sanction, j'ai pas de temps à perdre, vas-y. Je t'offre la possibilité de t'expliquer, soit tu t'expliques pas, c'est comme tu veux. Oui, je l'ai dit, oui. Bah tu l'as bien entendu sur l'extrait. Okay. Et je l'ai confirmé encore une fois, c'était pas en aucun cas pour la blesser ou quoi que ce soit. J'ai dit dans le sens, juste pour faire une blague, c'est tout. Je pensais pas que ça allait la blesser, la choquer à ce point-là, quoi. C'est juste ça en fait. Je comprends. Après, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec le petit enfant, on va dire, qu'il y a eu, il y a des propos que toi tu peux prendre comme une blague, mais les gens à qui tu les fais, bah, vu que tu les connais pas, tu peux pas savoir comment ils vont le prendre. Donc il va falloir essayer de, si jamais tu dois revenir sur le serveur, apprendre à modérer ça. Bah oui, bah, c'est ça que j'en ai eu d'autres modos hein, qui m'ont dit ces choses-là, etc. Ça, y a pas de problème là-dessus. Mais par moment, franchement, des fois, waouh, détendez-vous, hein. Ça va, c'est qu'un jeu, hein, les gars, vraiment. Ouais. Je veux dire, par là, on n'est pas là pour faire. Je sais pas, je l'entends même plus, je sais pas où il est pas là. Alex Coffin. Attends, je regarde ce qu'il me dit. Bonjour, il me dit qu'il peut plus se connecter. Il peut plus se connecter. Essaye de revenir quand même, Gautam.
qui te mettent ta petite sanction. J'attends sa réponse. Et c'est comme dans l'univers d'Harry Potter, il y a des fois des choses un peu sombres, etc. Je vois pas pourquoi, des fois, on peut pas... on doit s'insurger et être choqué sur toutes certaines choses, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. C'est triste, quoi. Oui, je peux comprendre. Après, tout le monde n'est pas... Ouais, mais bon, faut pas que ça aille que dans un sens, tu vois. Donc des fois, vraiment, il faut faire preuve d'un peu, de compréhension, et des fois, tu vois, essayer de voir la chose comme si, par exemple, je faisais de la satire, tu vois ce que je veux dire. Et je peux prendre quelque chose ou des termes, et ça veut pas dire forcément, tu vois. En plus, je suis pas là à l'insulter, ouais, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je peux pas me co. Attends, il dit qu'il peut pas se connecter. Il dit que ça m'est fait l'affaire Cestrise. Donc, je crois qu'il a pris son ban, à mon avis. Réessaye. Obviamente, je suis prof là, comme ça, je ferai des cours SD. Bah, si je peux encore revenir sur le serveur, sinon, bah, on ira ailleurs. Hein. Et ouais, je vois ce que tu veux dire, Eti Babécu. C'est chiant, mais là, ce que je dis, les gars, c'est des choses que je répète depuis des années, que ce soit sur GTA, sur Red Dead, ce qu'est en train de dire Etibamicus, il dit en gros dans le chat que c'est de la merde, sa réflexion. Dans ce cas-là, tu ne dis plus à rien, à personne, au risque de blesser. Il a craché la raison. Donc, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Parce qu'à chaque fois, on a tout le temps des mecs. Ouais, bah c'est bon, quoi. Merci, Inès. Merci beaucoup. Rose. Vas-y, c'est quoi? Je vais aller jouer avec Inès. Non, je pense pas que j'esquiverai le ban. Mais... Je suis en égo pour vous deux. Ouais, mais c'est, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, dès qu'il y a un mec qui va se plaindre... Merci beaucoup, Inès. Tiens, on va regarder peut-être tes peurs des cachots. Hein. Dis que t'es bloqué de cachot. T'as pris qu'un cachot? Non, je pense pas. Au fait, les gens oublient que c'est du RP, faut prendre ça au sérieux en mode perso, ils comprennent pas. Ouais, surtout que en plus dans l'histoire, tu vois, elle a dit ce qu'elle avait à dire, enfin son personnage. Je trouvais ça légit. Après qu'elle aille ensuite derrière voir un ticket pour ça, ça va. C'était de bonne guerre, le fight. Et c'est ça qui a animé le truc et qui était drôle pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, me parler de la souffrance, elle m'a quand même fait un speech en me disant ouais, comme si je n'étais pas au courant. Je suis même plus concerné qu'elle, je sais vraiment ce que c'est, quoi. Ouais, tu sais pas ce que c'est que la... Elle a dû voir un documentaire, tu vois, les documentaires qui passent sur l'excision, tu vois, des femmes africaines... Ouais, du coup, je t'en prends, j'ai crash, désolé. Ouais, c'est bon, je suis encore là. Ouais, je retépais Lilith. Donc, je vais vous mettre à toi et Goutam une semaine. Pour m'avoir menti en site, vu que c'est interdit dans le règlement. Ok, pas de problème. Normalement, je te lis d'autres staff, t'aurais mis un ban perm, je pense. Donc. Je compte sur toi pour revenir et si jamais tu reviens, en tout cas, avoir un. T'inquiète, ouais, pas de problème, t'inquiète, pas de soucis. Attends, c'est quoi ton. Attends, je regarde. Ah non, c'est Salazar qui a géré le ticket. Ok. Wagner. Ouais. Bon, ça, je t'avais déjà eu ou pas, ou jamais? En ticket? Bah, c'est moi qui me suis occupé de toi tout à l'heure avec le petit. Ah, ouais, mais c'est la première fois, ok, d'accord. Et je me suis occupé de Goutam tout à l'heure. Ok, ok. Ouais. Donc, Lilith, je te mets ton ban d'un jour. Pas de soucis. Allez, on se check, Lilith, pas de problème. Y'a pas de soucis. Bah, non, du coup, non. Ah, ok, bon. D'accord. Moi, je prends ma sanction, y'a pas de soucis, hein, mais bon. En tout bien, tout honneur, j'aurais fait un. D'accord, ok. Bon, je te tendais ma main, mais bon, c'est pas grave. En mode, d'accord, pas de problème. C'est gentil, non, mais non. Ah, ok, bon. Ah, oh, je me suis chier. Bon,
Attends. Bon bah je voulais quand même... J'adapte après. Oui bah après ça peut se comprendre aussi. Ouais mais du coup ça va, on est... c'est un jeu quoi, ça va, je peux comprendre, enfin je comprends pas quoi, tu vois, oui, on peut passer à autre chose. Les blagues de la même manière. On peut passer à autre chose, ça va. Je te mets surtout que c'est, je la visais pas spécialement elle, tu vois, c'est juste le... Tu vois, c'est moi, c'est le personnage, je voulais juste... J'ai fait le con, tu vois, je le reconnais et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, c'est... Ouais.